Bonsoir. On est bon sur les sons, on est bon sur les caméras, on est bon sur... C'est moi ou t'as pas le même format que d'habitude, Baron ? Oui, je n'ai pas le même format que d'habitude. My God ! T'as vu, il fait plus jeune, hein ? J'ai toujours été jeune. Bien évidemment, il vampirise en fait ses clients. Et leur prend la jeunesse éternelle. Baron a 300 ans, nous le savons tous. Oh, si peu. C'est Strad, en fait. Il n'est pas le baron, il est le comte. Le crime était parfait. Bien. Eh bien, écoutez, vous avez marché lors du dernier épisode, sur la colline d'Antan. Vous avez pénétré l'œil de la tempête et, sous cette égide de cumulonimbus noir striant le ciel d'éclairs bleutés, vous avez confronté Archivels, celui que vous supposez être la tête du cercle des druides baroviens alliés à Strad. Archivels, convoquant à ses côtés les immenses racines de l'arbre de Gultias, a opposé une farouche résistance. Il n'est pas encore mort. Car aux portes de la tombe, il a eu quelques ultimes secondes pour se glisser dans un menhir proche et disparaître à l'intérieur de la pierre, échappant peut-être définitivement à votre portée. À ce moment-là, la gigantesque effigie de Strand von Zarovich, de bois, de brindilles et d'osier, que le druide était en train d'amener à la vie, de convoquer dans cette existence, se mettait en branle. Et avec une furie vengeresse, marcher sur vous. C'est là que nous allons reprendre notre combat ce soir. L'arbre de Gultias, dans le lointain, agite ses sombres branches, tandis qu'au-dessus de vos têtes, les éclairs grondent toujours. Et c'est là que nous allons reprendre pour la séance 52 de la malédiction de Strad. Action. Camo, je t'en prie, c'est ouais. À toi, Barmir jouera juste après notre action de l'air local. Très bien. Camo étant très vexé de ce qui s'est passé il y a 6 secondes, va décider d'en finir avec Archivel. Et est-ce que j'ai pas la portée de vue. Hein ? Quoique. Je crois que j'ai la portée de vue là, hein, de ce rocher. Oui. Ok. Du coup, je vais lancer Shatter sur ce rocher. Place-moi ton Shatter, s'il te plaît. Alors, de manière à ne pas toucher mes alliés, hop, comme ceci. Voilà. Ok. Hop. Alors, je vais te demander de rouler les dommages. Oui. Normal, plus un des 6. Aïe. C'est un 4 de dommage sur 3 des 8, je sais pas comment t'as fait. Waouh. Je sais pas. Bienvenue dans la malédiction de Strad. Ça va, c'est un 10 quand même. Est-ce que ça endommage le rocher dans lequel se trouvait Archivel ? Peux-tu me ping le rocher dans lequel se trouve Archivel, s'il te plaît ? Il me semble, vu la position qu'il se trouvait... ici, dans ce rocher-là particulier. Ok. Je te remercie d'avoir répondu à ma question. Les 4 menhirs qui rayonnent autour du point d'impact de ton sort se fissurent, mais aucun ne se brise. Damn it. Camo reste vexé. Camo reste vexé et va tout simplement lancer un action bonus, une inspiration bardique sur notre ami sur qui ? Barmir, paladin, c'est ça que tu cherches. Ouais, c'est ça, Barmir. Sur Barmir, très bien. Oui. Hop, et ça va terminer son tour. Alright. Je vais vous demander à tous un dessin, s'il vous plaît. Eh ben non. Je crois que si. 54 pour moi. Combien ?
Qui a roulé ce magnifique 14? C'est moi. Ah. La foudre frappe à nouveau la colline. 60. Camo, j'ai demandé une sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Elle tombe juste derrière toi, pas sur toi directement, mais ce sera suffisant. Point 15. Ce sera un 15. Camo, tu reçois 17 points de dommages de foudre. C'est même KO. Tu tombes inconscient. Barmir, c'est à toi. Ashana jouera juste après. Comme quoi, tu as bien fait de ne pas polymorphe. Ah bah voilà. Barmir va se jeter au combat du monstre. Va sortir son épée. Emplie de rage, tu te jettes au corps à corps de la créature. Et je vais évidemment faire la spécialité de tout bon paladin. Je vais frapper. Très bien. Je n'ai qu'une personne présentement connectée sur le Watch Together. Oui, parce que si je me connecte, j'ai plus de connexion. C'est pour la même raison aussi que pour exactement la même raison. Oh mon dieu. Alors toi, Baron, j'allais dire que toi, t'étais excusé. Bah, il faut faire quelque chose pour ta coup, parce que là, c'est plus possible. Demain, le rendez-vous. Génial. Ça fait déjà... J'ai passé toute la semaine dessus avec... Génial. C'est génial. Pour un 13. 13. Tu entames l'écorce, mais malheureusement, tu ne touches pas à travers. Et voilà, les gars, c'est parti pour la soirée longue et dure. Je réattaque. Ok, vas-y. 21 va toucher très largement. Attends, t'as vu le chiffre avant moi. Je suis tellement latent que tu vois les dommages. Non, mais c'est juste que je suis dans le futur pour deux objets. Ouais, t'es dans le futur. Ok, bah écoute, je vais déjà lui mettre un petit... Ah putain, est-ce que le 13 tu me permets d'utiliser mon inspiration bardique? Ah, c'est littéralement l'attaque d'avant, ce sera pas possible. Non, ok, non, ça marche, pas de soucis, autant pour moi. Donc pour un 11 de dégâts auquel je vais rajouter un smite de niveau 2. Ok, le chat est d'accord, Baron, pour dire que tu as pris en effet un coup de jeune. C'est marrant parce qu'on est tous d'accord. C'est métal en vampirique. La caméra très jeune. Qui fait que vous pouvez pas voir Mary, mais... ça, je pense que surtout le fait qu'il est flou en fait. Mais putain, bah, fou, tu casses la magie là, c'est très grave. Et je rajoute. Excuse-moi, c'est très long, mais j'ai. T'inquiète. Et je rajoute un petit. Tu l'as mis niveau 2? Ok. Ouais, un petit 10 de dégâts radiants pour 3d8. La soirée va être très longue. Il va falloir faire en sorte de compenser pour les mauvais jets. J'ai confiance. Je crois en vous. Ne me décevez pas. Et avec mon action bonus, je ne vais rien faire et je vais attendre ma mort certaine. Plein de tours. H, c'est à toi. Là, est-ce que j'arriverai à l'atteindre d'ici avec Ondine ou... Alors, actuellement, tu as les menhirs. Ouais. C'est ça, ok. Bon, je vais me décaler vers le bas. D'accord. 20 feet pour la oui. Voir. Attends, 15. Tu te décales en direction de Gabriel. Tu lâches la Moonblade, si je ne dis pas de bêtises, tu tires Ondine. Exactement. Ok. Je tire Ondine. Alors que la Moonblade tombe au sol. Ting. Terrible, terrible pour moi. Et je vais essayer de l'attaquer. La soirée va être très longue, mes amis. Ouais. C'était tout pour moi. Merci. Pas d'action bonus ? Action bonus, je dash en arrière. D'accord. Pour essayer de me mettre. Pardon, je suis même allé trop loin parce que. Non, je peux pas. C'est pas grave. Hop. Oh non, c'est terrible. Je peux plus bouger. Ça marche, ça marche. Pense à la BA de Hyde aussi pour l'avantage. Bah, j'aimerais bien, sauf que là. Archival, c'est dans son menhir. Très bien. Oscar, c'est à toi. Gabriel jouera après. C'est bon, il est revenu. Oui, c'est à moi. Et bah écoute, je vais en action bonus, je vais rage. Ouais. Tac. Hop.
Et je vais rejoindre Barmir, je pense, tout simplement. Et voilà, c'est bon, j'avais un petit bug graphique, excusez-moi. Et je vais mettre deux attaques sans reckless, je pense. J'ai oublié de le cibler. Autant pour moi. C'est un échec critique. Ah ouais, t'avais pas la portée pour la tenaille. C'est un échec critique. Je vais pas te mettre les dommages, hein, on va avoir pitié quand même. Très gentil de votre part, monsieur. Tu nous autorises à purger rapidement parce que c'est une catastrophe. Mais vous pouvez tous mettre un D20 si vous voulez dans le chat. Putain, mais 13, t'as roulé 4 ? 1 et 4. 1 et 4. Il y a 15 000 de Ken. Ah, il y a le Nat 20 qui vient de partir, Oscar, là, ça y est, tu l'as pris. Mais écoute, c'est voilà, c'est fin de mon tour, hein. J'ai plus de placement, plus d'action bonus, plus d'action et... Et plus de vie. Et plus de vie. Voilà. Ah, je l'ai roulé que des bons jets, en vrai, hein, dans les 5. Il a fallu que le seul jet que je roule, hein, voilà. 13, 17, 16, 19, putain. Bon, bah écoutez, on va voir si je suis sur la même ligne. Moi, j'ai roulé quoi, hein. Ah non, pardon, c'est moi qui roulais le Nat 20. Sur mon... Vous avez de la chance, c'était sur la purge. Comme quoi, t'as bien fait de la demander, Reno. Bon, bah écoutez, on est parti. Non, allez. Gabriel. Gabriel est pas là. Il a fui le combat. Il est parti 5 minutes. Il a une urgence, je pense. Il avait dit qu'il allait blight, je joue son perso, je m'en bats les couilles. Oui, il a dit qu'il allait blight. Roule bien, s'il te plaît. Sors-nous un autre D-max. Un blight, ça fait des D-max, hein. Attends, parce que par contre, j'ai un souci, c'est qu'il n'a plus de tier 4. Il est là. Ah, il est Gabriel. Là, il est là. Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel. J'étais sur point de blight, mais je disais que vous n'aviez plus de tier 4, monsieur, donc si vous voulez le surcaster, je ne voulais pas le faire sans vous. M'a-t-il entendu ? Il est mute. Il est mute. C'était le plan. Tu as allé surcaster ? Ok, j'avais bien quand même anticipé. Parfait. Nickel, je suis pas rouillé. Il est en train de mourir, il vient de perdre un poumon. Blight ! On m'a appelé pour un truc, on m'a pas dit l'endroit. T'as qu'à reprends ton souffle, tranquille, roule les dommages, fais faire, toi. Tac. Donc tir 5 pour Blight, ok. Exactement. Avec des avantages constitution. C'est bien une plante. Oui, c'est bien une plante. Ok, oh, yes. Donc des avantages constitution. Eh bien, Rino, encore une fois, tu as bien fait de me faire purger, c'est un échec. C'est un 12. Magnifique. Il prend les dégâts maximum de 72. Wouah. 1 D8, 9 D8, oh Jesus Christ. Ouais, donc 72. Tu peux me décrire le Blight, s'il te plaît, présentement. C'est la première fois que je te vois l'utiliser, je crois. Non, j'ai utilisé la session d'avant. Mais c'est vrai. Gros boss. C'est vrai. Le Blight de Gabriel, eh bien, d'habitude, il appelle les hautes herbes. Cette fois-ci, il va les créer. Alors que l'énergie qu'il puise dans cette créature va amener la verdure autour de lui. Vous voyez... Un espèce de champ. Une série de primes verts apparaître autour de Gabriel alors que la créature se désagrège. Une partie de son thorax tombe. Vous voyez qu'une partie de la tête s'affaisse sur elle-même. Elle a été très lourdement endommagée. Mais elle est encore debout. Elle vient de prendre 72 de dommages. J'aurais espéré plus, endommagé. Il y a Barbier qui a fait genre 8 de dommages. Il a fait 21. Je l'ai vu. J'ai rien dit, il a fait 21. Ça reste... Un truc de 4 mètres. Ça va, lui, il a roulé au-dessus de 10. Hein. C'est la fin de mon tour. Ok. Et je suis désolé, je repars.
Très bien, ça marche. À tout de suite, bon courage. La bise. Gabriel dans nos cœurs. Il est revenu, il a mis ses 72 de dommages. Et regardez, il est parti, il est en train de partir, alors on l'a vu. Il est passé en arrière-plan. La créature va mettre une première attaque de sa patte. Il va essayer de t'écraser, Oscar. Ce sera un 22 pour toucher. Oh bah oui, ça touche. Il pouvait pas m'attaquer moi plutôt. Bah il y a un truc qui est mourant à côté de toi. Hein. Ouais, mais c'est une plante. Y'a rien qui va. Combien de dégâts ? Alors, c'est une plante qui, je pense, c'est pas loin d'être plus aussi intelligente qu'Oscar, mon ami. Ils arrivent. Je peux réduire jusqu'à 16 dégâts. Alors t'inquiète. La réduction, je sais plus si tu me la donnes avant ou après. Je peux la donner après. C'est dégâts taken. Ok. When you take damage. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que sa patte s'écrase à côté de toi, Oscar. Tu vois cependant les racines qui composent se fondre dans le sol, surgir entre tes jambes et ton poignet. Tu es restrain. Barmia, t'inquiète pas, la deuxième est pour toi. Ce sera un 20 qui va te manquer cependant, je crois. Oui, je suis à 24. Ok. Il va te mettre une première attaque de ses branches, Barmir. Et là, ce sera un 26 pour toucher. Ok, ouais, le shield. Shield ? Ok, très bien. La deuxième. Je passe à 29. Voyant qu'il n'arrive désespérément pas à toucher, va partir dans Oscar, qui est entravé avec avantage, du coup. Est-ce que tu. Je peux annuler mon attaque et la prendre en pleine gueule pour qu'il continue à m'attaquer ? À ton avis. J'avais pu penser, pardon Oscar. Oscar, c'est un 24 qui touche. Oui. Ah mais non, ça va, il y en a encore un. C'est un 14, c'est un 17 points de dommage. Contendant, monsieur. Ouais, je vais essayer de le réduire. Ok. Vas-y, donne tout. C'est pas parti de base. Oui, réduit de 14. Réduit de 14, c'est un 3 points de dommage contendant. Tu n'as jamais ragé, je crois. Depuis que tu rejoues. Je suis en rage là. Tu es en rage c'est un 2 de contendant, je n'avais pas entendu. Très bien. D'ailleurs, techniquement, vu que. Ouais, non, tu m'as dit c'est. 2 de contendant. C'est... Ouais. En action bonus, comme tu es entravé. Oh non. Il va s'abattre sur toi, essayer de t'écraser, Oscar, en profitant d'une une attaque extrêmement lente que tu vois arriver, mais tu ne peux pas te déplacer, malheureusement, pour l'esquiver. Ce sera un 18 pour toucher. Alors attends, j'ai un doute. Non, c'est pile poil ça. J'ai eu un secret espoir, mais non, c'est 18. C'est un 14 de dommages écrasants supplémentaires que tu me réduis à 7. Les dommages écrasants, c'est quoi, c'est des... Contendant. Contendant. Okay. J'ai extrêmement mal roll. Ça termine son tour. Camo, je vais donner un petit sauvegarde contre la mort. Ouais. Les esprits sont avec toi. Oh putain, c'est terrible. Ah, dis pas ça. Oh merde. C'est un échec, Camo. Voilà, bravo lui. Je vais demander à tout le monde un descend, s'il vous plaît, alors que la foudre, une fois encore, va s'abattre sur l'un d'entre vous. Vous avez vraiment pas de chance sur les dés, parce que cette fois-ci, je les roule. La foudre est en 38. Délire. 38. Si Camo sert de paratonnerre au sol, ça me ferait énormément rire. Le pauvre quoi. Non, mais... Techniquement, ça a refait de partir son cœur, il revient à 1 PV. C'est un 5-18 pour Barmir. Ouais, 84 pour H. Je vais rouler pour Gab. Oscar, je vais demander une sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Tu rajoutes un 3. Il est restreint. Je suis restreint, est-ce que je fais quand même la sauvegarde? Restreint, je sais plus. C'est pas indiqué sur l'état.
Les créatures à des avantages en dextérité. Non, j'ai juste des avantages. Ouais, c'est ça. Je vais la demander à Barmir. Il tombe au-dessus, entre vous deux. Je vais la demander à Barmir également, du coup. Même avec un 78. Bah en fait, grosso modo, elle est tombée sur Oscar et j'ai roulé, en fait, pour, je suis transparent, j'ai roulé au D8 la case sur laquelle elle tombait. Non, non, mais t'inquiète. Et en fait, c'est pour le coup vraiment être enculé sur toute la ligne. Du coup, Dex, hein, tu m'as dit, en sauvegarde. Ouais, j'ai Nat 20 sur le jet de foudre, donc vous prenez, et ensuite j'ai roulé pile la case entre vous, quoi. Pour un 13, Barmir. J'ai secrètement espéré que l'arbre soit touché, mais non. Ok. Et je vais... ouais. Est-ce que je dois utiliser mon aspi maintenant ou faut que j'attends ou avant le résultat? Entre le G et le résultat. Je prends mon inspiration bardique. Ok. Donc un D8, hein. Yes. Oui. C'est ça. Du coup, elle tape là la foudre. Exact. Elle tape en... C'est un plus 1 sur un 14. Ouais. Ouais, super. Bravo. Barmir, Oscar. Vous l'échouez, vous recevez tous les deux 23 points de dommage de foudre. Là, down, je l'ai quasi max. Down. Oscar, là, tu tombes. Il est où le down? Barmir, c'est à toi. Ouais, et ce qui fait chier, c'est que je n'ai plus la tenaille, parce que mon ami est au sol. C'est pas tant la tenaille, c'était la rage qui te donnait avantage. Mais oui, ouais, tu l'as plus. Oui, tu l'as plus, c'est... En fait, il y a les deux trucs qui donnaient avantage à Endo partir. Qu'est-ce que tu appelles des poules? Leon Ends. Leon Ends. Oui, ah oui. Le pool, c'est ton bag de. Ton nombre de PV. Ah, ok. C'est Baron qui n'a plus de cam. Je sais, mais là, je vais pas perdre un tour. Je vais. Ah, putain. Est-ce que tu peux me laisser concerter 30 secondes, 10 secondes l'équipe? Ça va vraiment niquer le flow du combat, je vous demande. Okay. Communication écrite, je suis gentil, je l'autorise. Par contre, les points strat en milieu de combat, ça me dérange. Non, c'est pas ça, c'est pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Ouais, mais c'est un point strat en milieu de combat, exactement. C'est un point strat. Non, je vais choisir de frapper parce qu'il a déjà 72 plus 20 et 4 de dégâts. Et je vais frapper, je suis désolé, je prends la décision de d'abord me débarrasser de l'ennemi. On voit. Ouais. Elle va être punie pour ça, je le sais. Hein. 20 touches. Smite de niveau 3. Ah, attends, parce que putain, ma fiche elle a deux temps, il faudrait que je me mette des raccourcis. Tu ult très bien. Ah, oh putain, il en reste 2. Ok. 4d8. Ouais. Pardon, excuse-moi. T'inquiète. Tac. Niveau 3. Hop, tant pis. On est bien. Et je suis je vais essayer de faire quelque chose pour avoir une connexion correcte parce que. Ouais, ça marche. C'est dommage. Fou, toi. Ah, ça va en vrai. 19. 19. C'est un rôle moyen. Ok. Et deuxième attaque. Ouais. Tac. Deuxième attaque. Nat 1, super. Tu la rates, pareil, je te mettrai pas les dommages. Vous avez assez mal roll comme ça. Et c'est une tu rebondis sur l'écorce au deuxième moment. La créature est très lourdement endommagée. Aux portes de la mort. Et je vais le regarder. Putain, j'ai pas de bonus action qui attaque. Ça me fait chier. Ah, problème du bouclier, ouais. Non, bah, c'est juste le manque de quicken. Quicken? Je vais le action gratuite, je vais le provoquer en lui disant espèce de racine, regarde par ici, attaque-moi, pour qu'il laisse mon camarade au sol tranquille. La créature se tourne dans ta direction, Barmir, tu ne sais pas, ça sera suffisant. Ash, je vais te demander ce que tu fais. Attends, si tu m'autorises, je fais juste mon déplacement. Oui, je t'en prie.
Ah, vas-y. Justement, pour essayer d'attirer son attention. Ça marche. Ah, ok, bon choix. Ash va faire un petit pas de côté, action bonus, hide. Yes. If possible. Et ensuite tirer. Hein. Ok. Est-ce que ça me... Alors, là actuellement, tu n'as pas la couverture pour toi, hide. Ok. Où est-ce qu'il faudrait que je me mette pour... Les dolmens, là où tu étais précédemment, par exemple. C'est la même hauteur. Ah d'accord, ok. Bon, quoi qu'il arrive... Les pierres levées ont une taille qui sera suffisante. Là, considère que t'es vraiment juste dans une doline, t'es dans un renfoncement du chemin. Mais, sauf à vraiment te mettre à plat ventre, tu pourras pas te cacher. Ouais, donc là, en gros, je peux pas du tout me cacher. Attends. Est-ce que tu m'autorises à faire un pas en arrière? Bah non, ça servirait à rien, en fait. Si tu prends tes 5 pieds de déplacement, tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Excusez-nous, chat. Je peux pas me... Je vais me setup. Je fais action bonus. Je fais action bonus dash. Ok. Et en même temps, dans le mouvement, je vais tirer. Ok, okay. Ça marche. Et ben, on retourne là en été. Hein, c'est pas mal. Hop. Vision, ouais, t'as la vision. Ouais, j'ai la vision. Tu vas le clip vraiment sur le bord de sa jambe droite, mais tu pourras le toucher. Ok, ça marche. Tac, on y va, on essaye de... 23 touches, sneak attack. Parfait. 12. 17. Comment ça, 17? Moi j'ai un 12. Quoi, 12. 12, elle est où, Vasily? What? Désolé. What the fuck? Tant que je disais 20. Tu vois la créature s'arquer, se baisser, se perdre sa matière. Tu vois une branche d'arbre tomber à côté de Barmir, plusieurs racines se décomposer. Le tout est en train de se désagréger, c'est une question de secondes, mais la magie qu'il maintient en place reste vive. Alors que la créature perd de plus en plus de sa consistance, cependant, vous voyez un cratère se former dans son thorax. La source de cette lumière verte, pulsante, que je mentionnais plus tôt, vous apparaît. C'est une gemme de la taille d'un point, couleur émeraude. Est-ce qu'elle est de la même couleur que la couleur? Non. Je poserai ma question plus tard. Fin de tour. Elle est de la même couleur que celle que vous avez trouvée à Kresk. C'est exactement la question que je... C'est pour ça que je me permets de répondre. Parce que j'ai compris que tu avais compris. Archivels, il est dans son menhir, il est heureux dans son menhir. Oscar, il est heureux dans son menhir. Je vais te demander une sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Oui. Et il joue après moi l'autre. Oui, juste après toi. 4, c'est un échec. Gabriel. Europe. Alors, je vais résumer ma situation. Si le mob joue, j'ai probablement un deuxième mort. Si je ne lis pas, j'ai probablement un mec qui va en atteint et rater ses sauvegardes. Parce que je lui cède pas. Désolé Gabriel, pendant que t'es pas là, j'ai fait le choix d'attaquer plutôt que de Layer of End. Y'a pas de soucis. La créature est aux portes de la mort. C'est bien ça mon problème, sinon j'aurais pas eu ce dilemme. je vais le... De la mort, je... Combien de points? 100. je pense qu'il est vraiment aux portes de la mort, sinon il aurait pas autant insisté sur la gemme. Ouais. Pour moi, je vais le... Je peux pas d'acte. William. William, ça reste une action, c'est bien ça. William et Healing Word après. Ah oui, ça. Mais Foyan ne fait pas de dégâts. C'est ça le problème. Foyan ne fait aucun dégât. Je vais secure le kill et prier qu'il ne roule pas des 1. Ça va être ma décision. Très bien. The choice was made. Le Erupting Earth, c'est une sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. J'ai demandé de me rouler les dommages. Bien sûr. C'est un 19
Nat sur la sève. Quel enculé. Il la passe de justesse. Je fais 13 points de dégâts. Il est pas mort. C'est sûr qu'il est pas mort. Gabriel, comment tu veux faire ça? Je crois qu'il y a vraiment un thème de Gabriel qui arrive à tuer à chaque fois les druides avec ce même sort. C'est vrai, en fait. Au point près, mon gars. Au PV près avec la sève. Sinon, il y avait Gabriel qui allait se sacrifier pour tenter de prendre l'attaque à la place. Mais c'est tout ce que j'avais. Varmir, c'était bien placé pour m'empêcher de te rusher parce que toi, je te prenais juste après. Ouais, je m'en doute. Gabriel va soulever les pierres de ses lianes. Et cette fois-ci, il va tenter de les former. Dans... Elles vont plutôt se former, ces lianes. Dans le symbole arcanique des vents d'Arcane. Ces trois brises de vent magiques avant de s'abattre sur la créature pile en son cœur. Alors que vous voyez ce sceau apparaître, se former des vestiges du cercle druidique, ces restes de dolmen, ces fragments de menhir s'élever en l'air et traverser la créature avec un fracas gigantesque, pulvériser de la tête jusqu'aux pieds l'effigie de Strahd. Qui s'abat au sol de part et d'autre de Barmir. Qui, comme Buster Keaton, reste planté en plein milieu. Tu vois une moitié d'arbres géants se planter à ta droite, Barmir. Tu vois une moitié d'arbres géants s'écraser à ta gauche. Wouh ! Et te frôler. Je vais ensuite me positionner en vue du menhir où le druide s'est caché et à côté plus ou moins de Samo. Le Camo. Bah moi aussi j'ai du mal, je sais pas pourquoi ils sont là. Camo, je te demande une sauvegarde contre la mort s'il te plaît. J'ai vu le vin repartir dans l'autre sens, c'est tragique. C'est pas un. C'est un deuxième échec de sauvegarde contre la mort. Ah mon dieu. Dormir. Soignez-moi ce tartare. Derrière toi, H, l'arbre se fend en deux sous l'effet d'un éclair. Il y en a enfin un qui ne vous a pas touché. Pardon, c'est à moi. Barmir, je t'en supplie, c'est à toi. Barmir va se jeter sur le barbare et va faire lay of hand. Et je vais lui rendre 15 PV. 15 ? Ok. Gabriel, Camo, c'est pas le barbare. Oui, je sais. Ah d'accord, ok, j'ai cru que tu... Tu es encore restrain ou pas? Il sait. Alors, il serait pas mort, je t'aurais dit oui, il est mort, non? Ok, juste au cas où. Alors, tu reprends conscience, tu t'extrais des racines qui sont en train de se flétrir autour de tes jambes, au sol. Action bonus, est-ce que je peux me saisir de la gemme? Action gratuite de ramassage. Pour le coup, elle n'est plus restreinte par rien. Tu enjambes les restes du corps et tu arraches la gemme au milieu de ces fragments de bois putréfiés. Et je me tâte à la lancer en mode football américain à Gabriel, mais... Gabriel, actuellement, vous le voyez tous, il n'a pas lâché la pierre de vue. Il est focus sur un seul objectif. Et une fois qu'il est relevé, le barbare, effectivement, je vais utiliser mes 25 derniers feet pour focus la pierre aussi. Tac. Tac. Je vais me foutre 25. Je vais me foutre ici. Ok. Pour 25. Alright. Je vais me mettre ici. Ok. Et Gabriel, tu t'occupes de Camo, hein, on est d'accord? Ah bah oui. Allez, c'est bon. Et je maintiens également. Je surveille la pierre. Ok. H.
H se pose une question et je pense pas qu'il l'ait vu dans le spell. Donc je sais pas si... Est-ce que tu... Dis-moi. Comment tu... Les dégâts de Booming Blade... Oui. C'est sonore, on est d'accord. C'est du tonnerre. C'est du tonnerre. Ouais. C'est une onde de choc, basiquement. Est-ce que l'onde de choc, pour toi, pourrait faire bouger la roche présente ? Vous êtes des protagonistes de D&D. Comme j'expliquais la dernière fois, Oscar qui met un coup de hache dedans, ça va fendre la pierre. Pense, pour le tonnerre, dis-toi par contre que si c'est seulement c'est quand tu bouges qui s'activent les dommages de tonnerre, c'est ça le problème. Il y en a deux. Non, non. C'est en deux temps ? C'est comme Green Flame ? Ok. C'est une fois qu'elle est améliorée par le niveau 5, tu fais un. C'est comme Green Flame, d'accord, de base, ok. Et après, d'accord, très bien. Je pourrais considérer que ça ferait un poil plus de dommages qu'une attaque normale. La Moon Blade, je l'ai laissée là. Je vais lâcher Andine, essayer de la prendre et taper dans une des figurines que je vois ici. J'aimerais savoir dans quelle roche tu tapes précisément. Celle que je viens de ping. Ok. Je sais plus, il était dans pour celle moi, c'est elle. Celle... Pour moi, c'est celle qui l'a pise. Celle-là, ouais. Ok. De toute façon, je vais essayer. De là, par contre, je te demande de bouger, tu n'as pas la portée pour me frapper le menhir du milieu. Là. Parfait. Tic-tac-touc, on y va. Et cette fois, j'équipe la Moonblade. Pitié. 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 Hop. Attaque. Bam. La 20. J'en ai marre de moi. Donc, Caspel. Caspel. Merci. Je sais même pas si ça. Quelque part par là. Si ça te va. Damage crit. Ok. Crit. Alors que tu abats la Moonblade sur le ce bout de menhir, vous entendez un craquement alors que la pierre se fend en deux. Il n'y a pas de druide à l'intérieur de celle-ci. As a bee. Je peux pas overkill, j'ai encore les... Alors, non, t'as bien pété le rocher, mais tu n'as pas d'overkill. Mon advin. Je ne peux pas faire grand chose là, à part me redécaler. Je peux essayer de faire quelque chose. Second wind. On va jouer aux autres packs, ça va être bien. Second wind, ouais, pas mal. Pas mal, second wind, ouais. Parce que je sais pas. Oh, ouais. Et de 12. 12, et très je vais bien. Me redécaler. Yes. Ok. Je vais me redécaler ici, après avoir enlevé la Moonblade. Et ça sera la fin de mon tour. Alright. Notre druide est présentement dans son œuf de Pâques. Il attend le lapin. Je vais me relever. Attends. Ah, pardon. Non, mais t'inquiète. Je regarde à quel point je peux me heal à l'intérieur. Ce qui me reste pour le faire, parce que je sais que je peux le faire. Je peux pas bouger. Je sais que je peux pas bouger. Il peut parler. Il peut pas parler. Je peux me lancer des sorts sur moi-même. Quoi ? Melding Tousson. Si tu peux pas me bouger, tu peux faire les VAP, les composantes. Comment c'est somatique les mains. C'est un truc de meld spécifique, tu peux te lancer des sorts dessus. D'accord, ok. C'est ça le truc. Okay. D'accord. Je regarde juste ce qu'il me reste pour le faire. Le Cure Wound. Ouais. Oh, le Healing Word. Non, t'inquiète, j'ai mieux. Il a déjà mis, je le sais. Non, ça il peut plus le mettre, mais il a autre chose. Il a des trucs en dessous. J'ai refusé d'y croire. Ah, y'a pas un truc qui fait du soin sur la durée. Y'a un peu un spell qui fait ça. Healing Spell. Régénération. It becomes stronger. Oscar, c'est à toi. Je me relève. Attends, du coup, moi, est-ce combien okay. C'est sous contrôle. La situation est sous contrôle. 15 points de déplacement. Ouais. Je suis en train de me spammer dans un menu, on en arrivait là. Bah, je vais en action, je vais dash, écoute, hein, et puis okay. Je vais me mettre à peu près au milieu des menhirs là. Tu te mets au milieu des menhirs, Oscar.
Lequel sera ton choix? Celui du haut, celui de droite, celui du bas? Ah, je viens d'action je sais. Dash pour pouvoir venir. Je donc, sais. Pour l'instant, mais je suis mon choix, curieux. C'est de regarder les cailloux et de baver un coup. Quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu peux demander l'appel à un ami si tu jamais tu quoi, as besoin. J'ai envie de jouer au bout d'un moment, donc je vais Action Surge. Je veux jouer moi aussi. Y a pas Action Surge, très bien. Je veux jouer. Alors du coup, je vais eh bien, taper. Où est le druide? Où est le druide? C'est un des trois du haut, j'en suis sûr. Celui que tu viens de ping, c'est celui que j'ai marqué. C'est celui que Kachana vient de détruire. C'est celui qui a la croix. Je vois pas marqué. J'ai mis une croix. Tu vois pas ta croix. Ah oui, ok. Non, en effet, elle n'apparaît pas chez vous. Tout à fait, elle doit être en. Les dessins sont de base en MJ. En caché. Ouais, MJ. C'est vrai, je les utilise jamais. Du coup, je vais taper celui qui est au-dessus de moi. Voilà. Ok, tcha. J'ai déjà cassé, passe à autre chose. Melt into stone, ça se casse donc avec touch. Oui. Ok. Il faut que tu sois au contact pour aller dedans. Putain. Là c'est le karma, j'ai quand même te demandé les dommages, parce qu'au bout d'un moment même moi je peux plus rien faire pour te protéger. Inconscient tout seul. Il tape la pierre, tu charges la pierre après une petite hésitation, Oscar. La hache ting rebondit sur le menhir, revient dans ta direction. Tu es en rage contre toi-même, Oscar, pardon, excuse-moi. Ah merde. Tu prends 9 points de dommage. Barmir a très bien fait de mettre 15. Et d'ailleurs. Il a très bien fait. Très bien fait. J'ai failli dire un truc, puis je me suis dit non, mais beaucoup mettre de Léonin sur le barbare, c'est worth it. C'est worth it. Et en effet, c'était worth it. Comme quoi, j'ai bien fait de la fermer pour une fois. Non, c'est pas vrai. 12, alors que. Ting, tu rebondis malheureusement sur la pierre, encore une fois. Oh mon dieu, je crois qu'il est parti. Gabriel. Oui, il est parti. Gabriel. J'ai un barbe que j'ai déjà abandonné beaucoup trop longtemps. Ok. J'ai le Healing Ward. D'accord. Healing Ward. De niveau 1, ce qui paraît pas plus. Pour 10 points de vie. Ok. Camo, tu reviens à la conscience avec 10 points de vie. Écoutez, moi aussi j'ai envie de jouer. Je vais bientôt passer le threshold. Je vais lancer Summer Whip sur le caillou devant Barmir et Oscar. Ok. Il a la tenaille ou pas? Non, tu n'as pas de tenaille sur l'attaque à distance. Oh, c'est une attaque de corps à corps. Mais oui, je sais ce que tu veux. Oui, mais tu n'es pas. Tu es à distance quand tu mets l'attaque de corps à corps. 13! Oui, 13. Malheureusement, 13 ne va pas casser de la roche. Ouais, on est bien d'accord. Je vais me cacher derrière le rocher quand même. Non, ne pas faire ça. Je vais me cacher derrière l'autre rocher. Ok. Camo, tu reviens à la conscience, tu es à terre, à côté d'un mur de flamme. Il fait chaud, très chaud, très très chaud. Que fais-tu? Déjà, il va se relever. Oui. Hop, j'enlèverai l'icône après. Mais. Se déplacer. Oui. Ici. Oui. Allez, si ça veut bien. Ah voilà. Ça voulait pas. Et malheureusement, ben là, vu qu'ils sont un petit peu trop proches, est-ce que tu penses. Que va-t-il faire le play? Ouais, non, parce que le souci, c'est que si je casse un achateur, il se le mange, hein, Oscar. Franchement, c'est bon. Sauf si peut-être j'arrive. Franchement, à... Oscar, il a... non, mais... Franchement, fais-le, Oscar, il mérite de mourir au bout d'un moment. Fais-le. Oscar, son premier fight, attends. Il a pas tapé. Attends, je vais voir si. Il a tapé lui-même, mais il a tapé. Ce que j'adore, c'est que perso. Putain, c'était. Vous avez vraiment besoin que je sois en tant que joueur avec vous, parce qu'entre voilà. Winock sur Agon et toi sur Strahd, quand je fais pas le paratonnerre au Nat 1. Voilà. Non, tu fais pas le paratonnerre. Comme ça, normalement. Ça touche personne sauf le rocher. Ok, tu n'as pas fait le play, très bien. Roule-moi tes dommages. En fait, Eldrin, j'ai envie de croire que tu fais paratonnerre. Du coup, comme tu gardes notre malchance. Ouais, mais en tant que MJ, je roule bien ces trucs. 14. Ok. Plus le D6. Plus 5, 19. Le rocher éclate.
il n'y a pas de druide à l'intérieur. Mais c'est quoi ça? Il n'était pas à portée de celui-là quand il a cassé la dernière fois, donc c'est logique. Comment on s'est tous trompés? Mais attends, parce qu'il était à la portée de deux rochers, celui-là ou celui-là? Non. Celui qui a H répété? Non. Celui... non. Il était... ah, mais je sais pourquoi vous voyez pas mes dessins. Tout ce que je vois, c'est des gros trucs écrits genre level stair, moi. Ouais, je sais. J'ai compris. J'ai compris le problème. Voilà. Oui! Il n'a pas fait le play, c'est dommage. Ouais, ouais. En plus, j'ai une chef de constite et je peux réduire les dégâts. Ouais, mais bon. De toute façon, pire des cas, même si ton tank se fait down, vous le relevez au tour d'après, on s'en fout. Ouais. C'est la fin de ton tour, Camo? Ouais, c'est la fin du tour de Camo. Crois-moi, Oscar, tu es encore au milieu de ces rochers. Au début de mon tour, tu vas prendre une explosion. C'est le tank qui s'en fout, il a raison. Moi, je suis à fond derrière Bafou, je serai à sa place, je serai premier à vous dire, mais défoncez-moi, je m'en bats les couilles. Mais moi, je te le dis, il va s'en prendre une. T'as bien raison. Ok, pour une fois, l'éclair va frapper les dolmens qui sont derrière vous. Barmir. Ils sont devant nous. Faut pas trop en demander, déjà, c'était pas sûr, vous sourcez. Moi ça me va. Après, dis-toi que là, sans la vision, il vise plus, donc ça peut le frapper. C'est juste que j'ai rien roll de sorte à le frapper, mais ça pouvait le frapper. Bon, mais. Est-ce que je peux restreindre un. Un rocher? Non. Un rocher? Non. Est-ce que je peux étrangler un caillou? Un jour, Chuck Norris a donné avantage contre le piton de la fournaise. Je vais regarder Gabriel et je vais lui demander de m'indiquer sur quoi je devrais frapper en premier. Gab, tu as l'air peut-être le caillou. Lequel des deux? Je pense que c'est la question. Mais non, il en reste. Celui-là il compte pas là? Bah, celui-là était un peu loin, je pense qu'il est pour entrer. Ouais, ok. Donc, je vais me déplacer ici. Ouais, j'ai l'air d'avoir marre, mais. Et bah écoute, puisque tout le monde a fait du tap-tap caillou, Barmir a envie de s'amuser aussi. Ok. Du tap-tap caillou. On va ouvrir le troisième œuf de Pâques avec un peu de chance, let's go. C'est ça. Est-ce qu'on va voir si le lapin a bien posé les œufs dedans? Vas-y, tap. Sunblade. Tap-tap. 25. Endommagera le rocher. Tap druide. Waouh! Oh ouais. Est-ce que j'ai un smite? Non! Toi qui vois! Non. Je rattaque une deuxième fois le rocher. Ok, tu le fissures, mais ça ne le détruit pas. Après, fissurer, normalement, ça devrait être blessé aussi. Non, c'est quand il est détruit. Il n'y a pas quand il y a des grosses déformations aussi? Quand il est. Partiellement. Quand il est partiellement déformé? Non, j'ai rien dit. C'est le MJ qui décide, c'est pas. Non mais tu vois, si j'oublie un truc, le sort fait 3 paragraphes, ça va que j'utilise. Il y a bien un truc de déformation avec 3 d'8 de dégâts. Ou 3 d6. Ah, tu as raison. Ah, je me disais bien que j'avais relu le sort. Bah du coup, il aurait dû être en deux comptés quand je l'ai... Quand t'as fait 7 de dommages dessus, non, c'est pas un change in its shape. J'ai fait 10. C'est pas beaucoup mieux. Et tu as dit qu'ils étaient craquelés. Oui. C'est pas Partial Destruction Over, s'il te plaît. N'argumente pas là-dessus, tu as tort. Par contre, les 6 supplémentaires vont en effet... Alors, pas le tuer, mais vous avez raison, ça va faire des dommages. 8, 10, 20 dommages. Et le recracher à l'extérieur. Ouais. Oh là là. Dommage. Donc là, attends, parce que du coup, je pensais, du coup, je lance ma deuxième attaque, mais... Ouais, tu peux. Après, je te dis tout de suite que 13 ne touchera pas. Non, mais justement, en fait, si j'avais su qu'il sortait, j'aurais peut-être fait autre chose. Dis-moi. Justement, je suis en train de lire. Parce que j'ai une deuxième action, on est d'accord? Non. Ouais. Deuxième attaque. T'as lancé une action d'attaque. T'as vraiment un truc bien à faire avec une attaque, là. Il te reste pas une aspect bardique par exemple? Non, c'est vraiment bien à faire, je te jure. Tu peux pas me le laisser, s'il te plaît. T'as la force pour Shana?
En fait, ce que je voulais faire, c'était. C'est pas tuer qui veut dire. J'ai très bien compris ce que vous voulez dire, Bafo, j'y pensais pas non plus, mais ouais. Tu es un sacré petit troll. Bah, tu sais, moi je vais arrêter de faire des attaques d'armes maintenant, donc bon. Je vais jouer avec des actions, quoi. Et je vais faire un Shocking Grasp. Toi, tu peux pas. Tu peux pas, il faudrait que tu sois Chantelame pour ça. Y'a que les Chantelames qui ont le cantrip en action attaque. Faire ça, les Chantelames ? Ouais, les niveau 5. Arcanique aussi. Ah ouais, ça je sais pas. Et eh ben, je sais pas ce que vous vouliez que je fasse. Chauve-le dans le feu. Mais vous pouvez dire, vous pouvez transmettre l'idée. Chauve-le dans le feu. Druide, tu le mets dans le feu. Je vais le pousser dans le feu alors. Avec ta deuxième attaque de. Ok. Je vais demander un jet d'athlétisme, Barmer. Il va répondre en athlétisme. Il va falloir que je vais faire un at-one et c'est moi qui vais partir dans le feu. Mais non. Là, c'est impossible, virtuellement impossible. Marche pas comme ça. Question sur le chauve, quand tu le défends, tu peux choisir entre acrobatie et athlétisme, c'est forcément oui, quand contre, tu choisis. Juste une question, alors j'ai une vraie question, elle est... Comme il a été rejeté de la pierre, on est d'accord qu'il est prone. Non. Donc j'ai avantage. Il n'est pas prone, il est juste recraché. Il est ressorti sur ses deux pieds. C'est ça. Il est sorti de sa Pokéball. Bleh. Allez. Ah bah voilà. C'est un 14. C'est un druide, mec. C'est pas n'importe quel druide. Ouais, mais c'est je fais malheureusement un 7 sur l'opposition. Allez. Oh, part. Je vais... Je m'attends à une phrase, en fait. Eh bien, en fait, je sais ce qu'il veut dire. Je vais pas être bâtard. C'est vraiment cool de ta part. C'est vraiment sympa. Parce qu'en fait, la concentration, tu peux l'interrompre quand tu veux. Je pouvais choisir de juste supprimer le mur de flamme à ce moment-là. C'est ça. Bah supprime-la, vas-y. Elle veut son kill. Je vois ce que tu veux dire. Elle va peut-être l'avoir. Tu sais quoi, Barmir, roule-moi 5d8 dommages de feu, s'il te plaît. Oh, il l'avait surcasté en plus. Non, c'est le fail. Ça fait 8 fois que tu lances, tu connais. Ouais, mais moi j'ai appuyé sur le bouton dommage. Ça change rien en fait que tu. C'est pas 5 des 8, c'est la passe, tu dis une connerie. Non, pour moi c'était 4 des 8. Non, c'est 5. Oh merde, par d'accord. Contre, écoute. 5 des 8. Je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé, pardon. J'ai lancé 1 des 8 plus 5. Toujours aimé du TPK, toujours. Slash R. On vit pour ça sur Strad, on vit pour Edge. 5 des 8, oui. Est-ce que. Plus. C'est. 15... Il en manque un. Enfin, ça fait... c'est, un 20, c'est quoi, je vais prendre le 5 du débit que t'as roulé juste au-dessus, ce sera un 20. Très bien. C'est ça. Tu vois, pour moi, 4 débit, c'était les dégâts très bien. Tu le balances dans le feu. J'ai réussi à heal au-delà du 20 de dommage, heureusement. Tu vois. Vous voyez Barmir se jeter sur le druide. Pouf, le pousser du revers de sa main, le druide partir de. En reculant. Pénétrer dans le mur de flamme, vous entendez alors que subitement il prend feu, sa silhouette pendant un instant ne devient que des contours noircis à l'orée du champ de flamme alors que le mur de feu disparaît. Je vais choisir d'interrompre la concentration immédiatement. Il survit aux portes de la mort. Ça terminera le tour de Barmien. Oui. Alright. Ash, c'est à toi, je jouerai juste après. Il me reste du heal, c'est bon. Est-ce que tu pourras... C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que tu pourras... Attends, hop, tac, elle va se déplacer derrière lui. Yes. Here comes mommy. Action bonus, fainting attack. D'accord. Pour me donner avantage. D'accord. Hop. Inch'Allah, ça passe. Et on va l'attaquer en Booming Blade avec la Moon Blade. D'accord. Tout simplement. Attaque en avantage. Et... Il y a un 20. Nat 20. Ok. Let's go. Pitié, faites que ça fonctionne. Il me reste quoi pour Nuke? Ouais, c'est bon. Enfin, je pense que... Non, c'est pas bon, en fait. Non, je pense qu'il est mort. Ouais, non, c'est... 14. Je me suis dit, il a au moins 20 dégâts minimum. Ouais, je pense que ça va être un problème. Ah oh non. Ça reste les dommages de H ? Oui, ça reste les dommages de H. Mais j'ai pas fini. Je sais. Sneak, please, do your shit. Sneak attack. Pour 29.
J'avais dit 29, c'est pas... Non, si ? Non, oui, non. Non, hein. 29 plus 9 29, plus 38. 14. C'était 14, c'était 20, 23. C'était 23, pas 29. Ok, 32, 52. Mes Masked Wounds n'auront pas suivi dans mon dolmen. Ash, je vais te demander comment tu veux faire ça. Je vais sortir la Moonblade pour avoir... D'ailleurs, je voulais te demander maintenant, que, étant donné que je suis pas attuned dessus, est-ce qu'elle a encore cette lueur qui parcourt la lame ? Elle est très ternie. Ok. Je vais sortir la Moonblade et peut-être même pour la première fois prier ses lunes ou ses anines de guider ma main et de forcer un peu la Moonblade à comprendre que je ferai tout pour être fier d'elle. En... Pour qu'elle soit fière de toi, je pense plutôt. Oui. Dans les deux sens. C'est beau cette relation qui s'épanouit. En tirant la lame, je vais la faire briller sur. Je veux. Ouais, on va faire ça. Je veux graver sur son front et sur son corps la lettre A. Ashana! C'est pas Z pour avant zéro d'habitude. De... Avant de... de lui dire il est temps de mourir, faux druide. Et de couper sa tête. C'est plutôt pas mal. Vous avez scellé le sort de la parovie. Sur cette dernière mise en garde, sa tête est séparée de son corps. Et le corps d'Archivels tombe dans la boue à tes pieds. Est-ce que sa tête peut rouler vers le feu là-bas là ? Il n'y a plus de feu. Si, il y a un feu, il y a un feu de camp juste là. Il est toujours sur, il a survécu le feu. Oh, mais elle ira rouler pas très loin, elle fera pas les 30 pieds non plus parce que à ce moment-là, je la renvoie à Ravenloft. Mais on a quelqu'un avec nous en plus. Une tête, oui. Au-dessus tête. De vos têtes, dans un ultime grondement sourd, l'orage se tait. La pluie continue de tomber, fine, en ruisselant sur vos épaules. L'arbre de Gultia se tient toujours, frémillant. Au sommet de la colline. Il n'est plus qu'à une trentaine de mètres de vous. Vous voyez ses branches ondulées dans le ciel noir. Grand bien lui en face. Qu'il ondule, le sacripant. Et d'ailleurs, je vais m'aider. Oui. On est un petit peu tous aux portes de la mort, ça va être un problème. Je sais pas à quoi tu parles. Non, non, Barmir va sortir sa Sunblade et courir sur l'arbre. Eh bien, il courra tout seul. Elle est où ? Il est où, cet arbre-là ? On voit pas là, parce qu'on est plus sur la map, mais il est plus vers le bas. Alors, attendez. Je peux pas. Quelle est cette diablerie ? Tout le monde est en vie. Je peux pas piller. Vous savez quoi ? Je vais faire quelque chose. Oui, comme si c'était un doute. Je vais juste ouvrir un tout petit peu mes bras, tu vas voir la lanterne. la lanterne d'Edwin, le masque d'Ogma, les petits papiers du prof. Et tu les vois pas, mais laissons ton dormir. Ouais. Le tas de trucs, quoi. C'est ça. Je comprends votre inquiétude, mais ce ne sont que des faux druides, Shana. Et qui encore, je vais pas récupérer. J'imagine que, moment où tout ça se passe, je vais te tendre la pierre, Gabriel, et te dire, je pense que ceci te revient, je l'ai ramassé sur l'espèce de représentation de Strahd en bois. Je crains qu'elle ne soit pas à moi, mais je pense que
Je connais une paire de corbeaux qui seraient très contents de la retrouver. Eh ben, tiens, fais-toi okay. plaisir. Je te laisserai leur redonner, mon ami. Bien sûr, je vais la mettre dans le sac sans fond. D'accord. Est-ce que d'ailleurs, en ouvrant le sac sans fond, Oscar y ressent quelque chose ou pas du tout? C'est-à-dire? Il ne ressent rien, présentement. Mais vous savez aussi que, notamment Gabriel et Ashana qui êtes plus rodés aux objets magiques, que le sac, ce n'est pas juste un sac, c'est un autre plan à l'intérieur. C'est une dimension de poche. Ouais. Ah oui, c'est ça. Séparé. C'est marrant, je pensais qu'il l'avait encore dans le dos. Oui, je l'avais pas enlevé. Ouais, il me semble qu'il... Ah pardon, du coup, pourquoi vous me demandez si Oscar ressent quelque chose pour le sac? Ah, c'est bien simple. On l'avait pas mis dans le sac, t'es non. sûr? Non, Barmir l'a gardé. Non. Il me semble qu'il l'a gardé dans le dos. Remarque, j'ai un doute, je sais plus. Moi, je sais plus. Parce que vu le nombre de grosses armes que tu as, Barmir, je sais pas si tu pouvais la mettre dans le dos ou pas. Remarque, elle a peut-être été mise dans le sac sans fond. Dans tous les cas, tu ne ressentiras rien, Oscar émané du sac. Moi, j'ai plus le droit de ping. On fait confiance au chat, si le chat vous avez plus suivi que nous. Est-ce que vous pouvez nous dire si Barmir l'avait dans le sac? Alors, à la dernière séance, il en avait été discuté. Je crois que tu l'avais mise dans le sac sans fond, mais j'ai un doute si tu l'avais reprise ou pas à la fin. Moi, je me souviens du où j'étais assis et qu'il est venu. Ouais, on verra. De toute façon, on s'en rappellera pas la marée miraculeusement, donc on a le temps. Ouais, c'est ça. Si même Gibbs ne s'en souvient plus, plus personne ne peut s'en souvenir, c'est impossible. Gibbs est notre mémoire, notre archive, notre tablette de la loi. Ashana va pointer de la Moonblade l'arbre et lui dire qu'est-ce qu'on fait ça. Ma foi, c'est une excellente question. J'aurais bien proposé de le brûler, mais je dirais que nous ne sommes pas en état s'il a quelconque défense autour. C'est pas que... Comment dire... J'ai pas très envie que... J'imagine que si je débarque chez vous et que je vous dis... est-ce que je peux pisser dans la cheminée pour éteindre le feu, je préférais vous dire, je préférais le faire moi-même. Donc, comment dire, cet homme, vous n'y touchez pas. On va régler la solution, moi et Camo. Mais. En attendant, ma cheminée ne corrompt pas les maisons alentour en leur faisant croire de la pisse et en leur demandant de manger de la merde. C'est du feu. C'est une comparaison en train d'aller beaucoup trop loin. Ce que mon ami voulait dire, mis à part cette comparaison, c'est que. C'est un problème Oui, c'est un problème de cavanie, laissons-le entre les cavanies, et nous souhaiterons régler ça entre cavanies. Si jamais vous avez le droit d'être là, bien sûr, quand on le fait, mais là, dans l'immédiat, je pense que c'est une très mauvaise idée de s'approcher de l'arbre. Alors, moi, je suis d'accord avec la grosse brute, mais par contre... dire que vous devez vous en occuper tout seul, je ne pense pas. Parce que nous avons un ami qui est mort. Nous n'avons pas dit que nous... Votre avis, d'ailleurs, c'est un voleur et un usurpateur, et je vais sûrement le rencontrer dans pas longtemps. Si vous continuez à faire ce genre de propos, ça sera vraiment dans pas très longtemps. Il va se tourner vers Marmir. D'ailleurs, j'aimerais récupérer l'objet qui nous a été volé. Il est temps qu'elle revienne dans les mains de quelqu'un qui saura l'utiliser. Je n'ai pas l'intention d'utiliser immédiatement, mais elle va nous être utile dans peu de temps, justement pour régler le problème du Gultias. Je vais te regarder. Je vais regarder H. J'ai une question, c'est est-ce que Camo et Oscar sont au courant pour la malédiction de Barmir? On en avait parlé ou pas? Il me semble. Non, pas vous n'êtes pas au courant de la malédiction. Non, c'est bon. Ouais, tout à fait. Barmir, vas-y. Barmir va te regarder, va te dire faites d'abord vos preuves en tant que coéquipier et je te donnerai bien volontiers cette arme qui a tué notre ami. En attendant, je préfère la conserver. Camo, est-ce qu'il se fout de ma gueule là? Parce que je viens quand même de mourir pour eux là. On est de... Je vais pas faire de blagues pourries. Oui, non, c'est pas le moment là, on est sur un monde hyper sérieux. Tu es effectivement mort, mais
Te dire mort pour nous, je ne sais pas, mais en attendant, je t'ai relevé de la mort, mon ami. Mon ami. Il se fout de ma gueule encore, il vient de m'appeler mon ami alors qu'il y a deux secondes il me disait qu'il me fait pas confiance. Attends. Je vais me retourner vers un buisson là et je vais commencer à le marteler avec la hache. C'est quoi cette total? En cavani, donc enfin. Karak farik no kares nidar! Vraiment là, c'est. Tellement ça. J'ai rarement vu en colère comme ça et en général je me suis pris un coup de poing par inadvertance. Mais je dois avouer que sur le fond il a quand même raison. Raison qui? Eh bien, de 1 c'est une arme qui a l'air d'appartenir à son clan, de 2 il est mort pour nous, de 3 je pense que c'est bien un moindre mal de lui confier cette arme au motif. De 1 elle appartenait à Edwin, de 2 Edwin est mort. Oui, Edwin est mort, il n'a plus le droit à la possession. Et de 3 c'est une épée maudite, un glaive maudit. C'est je ne vais pas transmettre ce glaive maudit qui a lui-même tué notre ami et possédé une personne à n'importe qui. Comment nous ne connaissons, sans vouloir être méchant et sans vouloir vous déprécier, mon cher Oscar. Oscar, il est en train de gueuler dans son coin, là. Il est vraiment en train de... Tu vois qu'en fait, vraiment, il vous êtes en train d'exploser un arbuste. Genre, il en fait des allumettes. Et là, je vais me retourner vers Gabriel et H et je vais leur dire, vous voyez, raison de plus, il perd déjà facilement son contrôle. Il est sous l'effet d'une malédiction qui a pris possession de notre ami Edwin, qui a pris possession de son esprit à plusieurs reprises. Je ne donne pas cher de nous si elle arrive à corrompre son esprit. Oui, j'en connais un autre pris sous l'effet d'une malédiction qui empoisonne son esprit. Bien sûr, mais jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas mis en danger. Oui, lui non plus. En revanche, ça sera bien sûr. Je vais tenter un jet de perception côté Oscar pour savoir si j'entends ça. Ouais, autorisé avec des avantages. Avec des avantages, bien sûr. J'ai entendu ça parce que j'étais littéralement en face d'eux, ils sont juste tournés. Ah, mais Camo, tu as tout à fait entendu. 22, tu en entendras des bribes. Tu comprends le sens général. Tu comprends plusieurs fois malédiction, mais on parle du glaive. Pardonnez-moi, mais... Avec un 22, il va comprendre un peu plus que ça, quand même. Je vous remercie de votre solitude envers mon ami, mais je peux vous assurer que si quelqu'un est digne de manier une arme, même si elle est maudite, il s'agit tout de même de l'arme de notre peuple, et je souhaiterais pouvoir la récupérer pour qu'elle retourne au rite auquel elle appartient. On peut savoir c'est quoi ces histoires de malédiction? Cette épée est maudite, ce glaive est maudit, Edwin était maudit. Alors, votre pote peut-être, mais ça, c'est pas maudit. Hein. Et il pointe du doigt l'arme, elle est pas maudite. Mais je vais te regarder et te dire... C'est pas parce qu'elle est... C'est pas... Est-ce que je suis maudit parce que je parle? Je sais pas si... Non, je sais pas si... Et je ne sais pas si tu te... Barmière, c'est un être vivant. Barmière, vas-y. Je ne sais pas si tu te souviens, Oscar, la nuit dernière, tu as quand même été sur le point de venir me voler cette arme, car tu as entendu une voix. Si je ne m'étais pas réveillé, tu aurais sans doute été pris par une folie, je ne sais quelle folie de voleur, à me prendre l'arme et à écouter la voix qui t'a amené à elle. En général, quand quelqu'un vous parle, on lui répond, hein, ça s'appelle une discussion. Mais mon ami est peut-être rustre, bagarreur, a des accès de colère, mais ce n'est pas un chien qui ira assassiner quelqu'un pendant son sommeil. Il préfère faire de face à face. Alors, HRP, je ne veux pas du tout bloquer ton storyline. Je vous dis, jouez vos RP, faites-vous confiance et faites-moi confiance. Jouez vos RP. Ok. Cette chose n'est pas maudite, elle est juste... Camo, le mot quand on peut réfléchir et penser. Sentient. Alors c'est pas forcément celui-là que je cherchais, mais c'est à peu près la même chose, bien vu. Je vous propose quelque chose, Oscar. Je vous donnerai cette épée. Actuellement c'est un glaive. Oui, c'est un glaive, cette épée. Ne jouons pas sur les mots, Oscar. Ça ne joue pas en votre faveur. Je vous donnerai ce glaive, mais laissez-moi un petit peu réfléchir. Beaucoup trop de choses sont en jeu.
beaucoup trop de problèmes peuvent résulter de cette arme. Et comprenez que nous venons tout juste de vous rencontrer. Et pour ceci, ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous faire confiance, malgré un combat où vous êtes tombé plusieurs fois sans mettre un seul coup. Mais je préfère garder cette arme pour le moment. Laissez-moi réfléchir un petit peu et si effectivement je me rends compte que elle doit vraiment retourner vers vous, qu'il n'y a aucun danger à vous la rendre et à la réintégrer dans un rituel, je vous la rendrai. Mais pour le moment, les paroles que vous m'avez dites, retourner un rituel, pour moi, faire venir une arme maudite dans un rituel, c'est déclencher un chaos que nous ne pourrons peut-être pas maîtriser. Ah, maudite! Si cette arme elle est consciente, c'était ça que je cherchais comme consciente. Ça, puis prend l'accent de Stallone, je trouve ça génial. Elle est consciente, mon arme. Elle est pas maudite. Elle est consciente. Ils vont faire une guerre comme vous ne l'avez jamais fait. La buveuse. La buveuse. Pardonnez-moi. Des morceaux de mes ennemis sur moi. Des morceaux de mes ennemis sur ma veste. Je les ai sous les yeux. Ben, Mia, permettez-moi, mais si cette arme est si dangereuse, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle n'essaiera pas de vous corrompre, vous? Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque d'être un danger, d'être le danger pour vos amis? Camo, si vous saviez de les forcer ami. À devoir vous achever pour ne plus être ce danger. Vas-y, Barmière. Attends, c'était adressé à Barmière, donc vas-y, Barmière et Oscar. Ne vous inquiétez pas, ça se trouve, d'ici deux jours, je serai mort et enterré. Raison de plus pour nous la rendre. Raison de plus pour la garder. Non mais, elle choisit ses porteurs, il n'est pas choisi. Je vais vous donner une petite astuce, mon cher Oscar, mon cher Camo. Effectivement, elle choisit ses porteurs, et la dernière fois que je l'ai vu choisir son porteur, elle a littéralement disparu de mes mains pour... Attends, HRP. C'était avec moi ou c'était avec Torbjörn, ça? Je sais plus. Je crois que c'était avec Torbjörn. Ouais, c'est avec Torbjörn, tout à fait. Est-ce que vous auriez pu me le raconter? Est-ce qu'Edwin aurait pu me le raconter? Vous en avez jamais parlé. Non. Il y aura jamais de choses qui sont rétrocédées. Hop, j'appuie sur Rewind. Rewind. Si tu veux, je te coupe la parole même. Vas-y, très bien. Vas-y, de toute manière, je ne pense pas que Barmir ce soit exactement à vous de faire. Voilà. Edwin était avec nous depuis le début, avec Gabriel et moi. Ce que nous pensons de cette arme, eh bien, pas grand bien. Mais en tout cas, je sais qu'il n'est pas venu ici pour rien, avec cette arme. Et je sais qu'il cherchait une solution pour sa sœur. Si vous êtes dans la capacité de me donner un remède concernant le Gultias, et je vais sortir mon petit carnet, en fait, là où j'écris les informations sur des personnes qui ne sont pas forcément mes collègues et mes amis, mais il y a les informations qu'elle a glanées d'Edwin quand ils ont parlé, etc. Donc, on parle de sa sœur, on parle de la maladie qu'elle a pu avoir, la racine de Gultias. Si vous êtes capable de trouver un remède, ou en tout cas de me donner une solution par rapport à ça, l'arme sera à vous. Je vais prier Céanine, Ash. Pas médecin. Je vais prier Céanine et lui demander conseil, Ash. Vous devriez peut-être en faire autant. Du coup, deux poids, deux mesures, Oscar va prendre l'âge que vous lui avez passé, l'acheter au sol, rendez-moi mon sac. Vous me faites cap pas confiance, je vous fais pas confiance, je veux mon sac. Pas de soucis. Oui, deux secondes, je récupère juste mes affaires. Voilà, ça c'est vos affaires, ça c'est mon sac. Gabriel ramène juste la pierre. Ouf. Et le reste, il avait rien mis dedans. Ouais, je crois que Barmire non plus n'avait rien mis dedans. Mais je vais enlever là, du coup l'axe de mon inventaire. Non, je les ai sur moi les armes. Je vous laisserai la ramener. Ash qui a mis toutes ses armes à l'intérieur. Et moi. C'est Ash, ouais. Pas forcément toutes les armes. Pas tout, mais qu'on a mis beaucoup, je me rappelle encore de la scène. Alright. Elle a mis tout ce qui était crowbar, hammer, ouais. Dague. Je me rappelle. Le druide avait des choses sur lui également.
Je suppose que vos personnages vont regarder. Oui. En disant que Edwin avait certes le but de guérir sa sœur, il avait également le but de mourir et de devenir guerrier. Vous avez dit quoi là? Faut mourir pour devenir un guerrier? Putain, non, il voulait en devenir un et en mourir un. En mourir en tant que tel, c'est ce que voulait Gabriel. Vivre et mourir par la lame. C'est parce que ça qu'il voulait dire, Kavan. Il ne l'a pas dit comme ça, en tout cas. Bon, écoutez, ce débat, pour le moment, n'a pas lieu d'être. C'est à moins que vous jetiez tous les quatre sur moi pour me prendre ce glaive. Je ne te le donnerai pas, Oscar, pour aujourd'hui. Laisse-moi juste réfléchir un petit peu. Laisse-moi prier ma divinité. Laisse-moi trouver la meilleure solution pour tout le groupe. J'ai pour le moment des problèmes beaucoup plus importants que ça à régler. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants que ça à régler. Nous avons besoin de tous nous reposer. Nous sortons d'un combat difficile. Nous sommes fatigués, psychologiquement épuisés. Je vous proposerai qu'on fasse d'abord un premier petit repos pour récupérer un peu de force, récupérer un peu de mental. Et nous pourrons peut-être reprendre cette discussion plus tard, si ça vous va. L'orage, il a arrêté ou pas? J'ai oublié. La pluie tombe toujours, l'orage gronde au-dessus de vos têtes, les éclairs ont cessé de tomber. D'accord, ok. Je vous laisserai reprendre la Battle Axe du coup. Ouais, je la prends. Tu la reprends, ouais, ok. Camo va aller faire porter les derniers rites quand même à notre ami. Enfin, notre ami. Notre ami le druide. Pour lui donner les derniers rites des Cavani. Gabriel, très bien. Va rester silencieux, mais va t'observer pendant tout le rituel. Oscar assiste Camo dans les rituels. Et ah, putain, je l'ai pas pris. Je peux pas questionner ma divinité aidée. Non, c'est les prêtres, ça, je crois. C'est ça. Si tu parles de ce truc-là des prêtres... C'est ouais. Que t'as ouais, commune ouais. Qui te permet de faire... T'as le sort commune qui permet de faire ça. Je sais plus si les paladins l'ont à plus haut niveau. Ah, ça, c'est pas trop haut niveau pour eux. Tant pis. Ouais, rien ne t'empêche de prier, hein. Ouais, oui, bah de toute façon, dans tous les cas, je vais prier. Si on fait un repos court immédiatement, je pense que je profiterai de mes 1 heure pour prier ma divinité et peut-être l'interroger sur les choses à faire, mais c'est uniquement si on prend un repos court. Bah, Gabriel, il est bien pour le repos court là tout de suite. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, on peut pas faire les rites maintenant, Camo. Ou alors on fait les rites et après on fait le repos. Bon, je pense que je peux faire le rite en partie dans mon repos court. Ça reste calme. Ça reste ouais, calme, voilà, c'est calme. C'est pas des trucs qui sont typés en activité. Non, c'est vraiment un rituel roleplay là pour le coup. Ah, ok, c'est bien ça. Bah, c'est un rituel mortuaire. Ok, bah, je citerai là-dessus et comme ça on peut prendre un repos court. Peut-être pas sous la pluie. Vous pouvez aller vous mettre sous l'arbre. Non. Bon, mais la pluie c'est bien, ça nettoie. La pluie purifie tout, très bien. Est-ce qu'il reste des... Ouais, il reste des petits minières là où on peut... C'est ce que j'étais en train de mettre sous les dolmens. Ok, d'accord. Repos court, validé. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire pendant ce repos court, de l'identification d'objets qui va se faire? Vous avez déjà bien RP, donc ça c'est cool. Le druide avait des trucs sur lui? Comme je l'ai dit, oui. Ouais, je suis parti du principe que vous auriez regardé. Il avait trois... Il avait... Alors... Qu'est-ce que j'en ai fait? Où est le corps? Voilà. Il avait ce staff de bois biscornu similaire à du Gultias dont je vous ai parlé. Il avait cet anneau de métal dont je vous ai parlé également, à l'effigie du sceau des Von Zarovich. Et également un ceinturon fait de racines pétrifiées. Tout ça ping de Detect Magic, je suppose.
Tout ça ping au Detect Magic, bien entendu. Ah non, Gabriel a fait assez de sacrifices, il va donc demander à quiconque d'autre de le faire. Ah là, ça y est, maintenant qu'on a besoin de trouver des objets maudits, on demande à Oscar, bah super. Gabriel a juste montré l'anneau qui est littéralement dans la chair du doigt. Tu vois que ça saigne, il porte les stigmates maintenant de son martyr. Oscar va littéralement te montrer le doigt qu'il a au milieu de sa main. Le plus grand. Oui, et vous aussi. Allez, chacun son tour. Est-ce que, Oscar, tu suis dans le délire de ton druide qui est clairement mal intentionné? C'est-à-dire, tu continues de s'insulter? Non, je te demande pour les objets. Il y a deux secondes, vous vouliez pas me donner un objet que vous trouvez magique, et maintenant vous voulez que je vous en découvre pour vous. Alors attends, j'ai toujours été pour vous le donner. Hein. Une ceinture, un anneau, le bâton, je m'en fous. On va vas-y, je vais identifier l'anneau, j'imagine. Pendant qu'il identifie l'anneau, je vais identifier le bâton. Ok. Bon choix. Oscar, je te vois full life sur ta fiche, c'est normal. T'as aussi bien rôle que ça t'aider. Putain la vache. Jesus Christ. Oscar. L'anneau n'a pas d'effet adverse, en tout cas sur toi. C'est un anneau de protection. Ah oui. CA plus 1, CF plus 1. Ah non, je me suis trompé. Tu confonds avec les Bracers of Defense. C'est ça, ouais. Ça va te servir. Grave. Oui. Gabriel. J'aurais préféré celui de Gabriel, mais... T'as deux slots, hein. Je peux l'enlever. Hein. T'as deux slots. Non, mais ça va... En fait, il est compliqué à jouer. Mais il serait bien sur Oscar ou sur un Barmir, mais il reste compliqué à jouer sur les boss. On est bien d'accord. Sur le reste des combats... Il faut être bon. Cool. C'est du high risk, high reward. C'est ça. Gabriel. Oui. En tout cas, il n'y a pas d'effet adverse sur toi. Tu es harmonisé avec un Staff of the Windland. Wait. Tu as un slot d'harmonisation ? 3 plus. Bien sûr que non. Je ne sais toujours pas pourquoi tu essayes d'identifier des trucs. Est-ce que maintenant ils sont identifiés ? Non, ils ne sont pas identifiés, je retire ce que je viens de dire. J'étais parti du principe que tu avais les slots pour le faire, tu ne peux pas identifier sans slot. Ah. Parce que, basiquement, en fait, comprenez que cette identification-là, ça s'appelle s'harmoniser avec l'item, et quand tu t'es harmonisé avec, tu sais ce qu'il fait. C'est ça l'harmonisation. C'est juste que tu t'harmonises avec et là t'obtiens les effets, mais c'est pas identify en fait. Donc non, mais d'accord, mais du coup pour moi je pouvais genre l'identifier. Non, mais qu'on soit bien d'accord, c'est si tu t'harmonises et ça te donne les mêmes effets. Mais en fait, si tu t'harmonises d'abord. Et il reste quoi en objet ? Bah, du coup, le staff, oubliez ce que je viens de dire, vous ne savez pas ce que c'est. Je sais déjà plus ce que t'as dit, donc c'est tout. Et la ceinture. C'est une ceinture. Le ceinture. C'est une ceinture de force. Je vais tenter la ceinture, du coup. Tu as un slot, toi ? Moi, il me reste un slot, je crois. Attends, je vérifie de suite. T'as la Moonblade, t'as la cape. Et c'est tout. La Sunblade, c'est la thune ? Ouais. Ouais. Sunblade, c'est la thune. Allez, T'as l'anneau d'étoile filante. Ah non, t'as l'anneau. Non, j'ai pas de place. J'ai pas de place. T'as un slot, je ne pensais qu'à moi. Oui. Oui, j'en ai deux. Moi, j'ai encore deux slots aussi. Remarque, attends. La Sunblade, elle est peut-être pas à thune, faut que je vérifie. Si, bah moi je l'ai en mode à thune sur mon... T'as un petit soleil à côté ? Ouais, une petite roue à côté, ouais. Putain, c'est... Comment ils ont... Oui, à thune, ok, c'est juste le truc est fait bizarrement. Ouais, à thune, c'est bien ça. En vrai, je sais pas, Ring of Shooting Star, si ça va continuer à me servir, en fait. Mais est-ce que quelqu'un sera intéressé par le Shooting Star ? Moi, je pourrais être intéressé parce que j'ai pas beaucoup de sorts d'attaque directe, mais le souci c'est que il serait bien aussi sur Oscar, mais bon. C'est ça, voilà, sur Oscar. Mais toujours pas lui donner une arme, donc bon. Ouais, elle est. Le temps de l'identification, je vais relise la moon... putain,
Oh non, non, fais pas ça, mec. C'est trop... C'est la Mooncycle. T'es un druide que sans Mooncycle, c'est comme des pâtes sans fromage. je suis en train de prier qu'en fait le druide avait le staff pour une bonne raison et qu'il est magique. Ah oui, et ça marche, oui. Voilà. C'est malin, mais oui. Magique derrière. Tu non, mais oui. Relises la Mooncycle, Gabriel, de ton lien. Et tu t'harmonises avec le bâton du druide. C'est un bâton des contrées boisées, Staff of the Woodlands en anglais, qui confère un +2/+2. En plus de te donner l'accès au sort d'Animal Friendship, Awaken, Barkskin, localiser les animaux, parler avec les animaux, parler avec les plantes et Mur de Ronces. Je sais, je suis passé de l'anglais au français en plein milieu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu connais pas la moitié des peux lancer Passage sans trace gratuitement sans jamais consommer de charge. Oh, ça c'est bien ça. Oh. Moi j'ai juste entendu que j'ai gamble et que j'avais raison. Moi j'ai juste entendu Ashana est à présent invisible, même tu... sans l'être réellement. Tu, voilà. tu peux aussi planter des arbres, ce que j'ai déjà vu Julien utiliser sur Valkynia, pour faire des ponts, assiéger des châteaux et détruire le monde. Et awaken des arbres aussi, j'ai entendu. Oui, tu peux awaken. Mais le truc qui te, fait, qui te permet de planter un baobab incliné, c'est... J'ai compris que c'était très fort. Ouais, ils ont gravi des falaises avec, et quand je dis qu'ils ont assiégé des châteaux, je déconne pas. Oh, on va en faire une bonne utilisation de tes baobabs. C'est marrant, je connais un château. Du coup, bah... C'était génial. Ouais. Pour tester la ceinture, je vais faire pareil, je vais me release avec le Ring of Shooting Star. Tu romps ton lien avec l'anneau d'étoile filante, tu t'harmonises avec le ceinturon. Il n'y a pas effet adverse, en tout cas sur toi. C'est un ceinturon de force de géant des collines, ta force passe à 19, tant que tu es harmonisé. Vous avez bien gamble qui tentait quoi, en vrai? Ok. Ça se trouve, en fait, cet anneau, si c'est un Kamani qui est là, il n'y a pas de malus. C'est ce que je me suis dit quand il a dit ça la première fois. Je me suis dit, ah, il y a un bail avec le Kamani, je pense, sur pour cet anneau. Ça, on verra la pause pour le trouver. Putain, je passe à 19 de force. Papa. Ça ou pour les guerriers, un truc comme ça. Du coup, alors, juste HRP, veut l'anneau Ring of Shooting Star, Oscar ou Camo? Oscar, je pense que c'est plus intéressant. Du coup, je vais me retourner vers toi, Oscar, je vais faire Oscar. Et je vais, tu sais, quand on fait flipper une pièce. Et je vais t'envoyer l'anneau. Tu lui lances l'anneau. Je vais t'envoyer l'anneau. L'anneau va rebondir sur un pec, genre ping. Quoi? En attendant que je vous laisse récupérer la buveuse, prenez ceci, ça pourra vous aider. Alors, est-ce que tu peux me l'envoyer? Est-ce que je... Voilà. Alors, je sais plus comment on fait pour envoyer... Tu vas dans l'item, tu vas les types 3 petits points sur le côté, tu peux faire send to player. Ok. Moi, je vais aller voir Samo. Qui? Camo. J'ai une pierre dans chaque main. J'en ai une qui est jaune et l'autre qui est un diamant. Je... compte encore sur vous pour nos prochaines batailles, et ceci est un petit bonus de ma part. Et je lui donne ma Stone of Good Luck et un diamant de 300 PO. Eh bien, je vous remercie de votre confiance. Je ferai en sorte de ne pas les brécher. Aucun doute là-dessus. Je n'ai pas Oscar. Bon, tant pis, je vais la rajouter. C'est Shooting Star de souvenir. Ring of Shooting Star, ouais. Tu peux l'enlever. Je vais l'enlever, je me l'ajoute. Remarquer que la mort de votre ami le druide n'a pas dissipé l'orage sur la colline au sommet de laquelle nous nous trouvons. Je me permets d'observer qu'il n'était visiblement pas la source. Si vous me permettez, bien évidemment, une observation amicale depuis mon poste. Non, est-ce que vous pourriez me décaler, s'il vous plaît? Actuellement, j'ai une vue qui n'est pas très agréable. Je le sors de ma ceinture et je le tiens comme ça. Non, je voulais me décaler sur votre ceinture. Sur le côté extérieur. Ah!
Oui, bien sûr. Oui, j'ai... Ça a dû bouger durant le combat. J'ai tourné quand vous êtes tombé au sol la deuxième fois. C'est bon, la deuxième voilà, fois. C'est mieux. Oui, je vous remercie. Tu vois, il tire la langue pour prendre un peu d'eau de pluie à l'extrémité. Ah, j'avais oublié le goût qu'elle avait. Vous avez oublié le goût ? Il ne pleuvait pas là où vous étiez ? Non, j'étais sous un grand peuplier. Vous savez, le couvert forestier... Je suppose que le feuillage devait être trop dense. Mais ça tombait tout autour de moi. Mais je pense que vous avez présentement des problèmes plus graves. Je suppose que vous ne comptez pas poursuivre dans cet état, ce serait de la folie. Je ne tiens à ne pas tomber pendant un siècle de plus, presque, auprès de cet arbre. Est-ce que nous pouvons aller dans une belle ville, avec un feu dans une cheminée, du thé peut-être ? Oui, mais pour l'instant nous avons encore quelques affaires à gérer ici. Bien fait. Faisons vite. Faisons vite. Est-ce que je peux faire appel aux esprits ? Oui. Hop. Je te proposerai de le faire après la pause. Ok. Comme ça te laissera le temps de rouler. Pause de 10 minutes. On reprend tout de suite. Prenez de quoi grignoter, de quoi boire.
0. Bien, bon retour à tous. La question qui va se poser maintenant va être la suivante. Il est 13h environ, nous sommes en début d'après-midi. L'orage gronde toujours au-dessus de vos têtes. Archivès, l'archidruide, est mort, mais clairement l'influence druidique sur la région. Ce bras de Strahd qui s'étend jusque par-delà les collines, par-delà les brumes. Car vous êtes à la frontière de la Barovie. Vous voyez devant vous, depuis le sommet de la colline, cette mer de brume à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres, cet océan de brouillard s'étendre jusqu'à l'horizon, à l'ouest, jusqu'aux confins, jusqu'à la limite des monts Gaki, à l'est. Cette influence de Strahd est toujours présente sur la colline. Vous avez tué un général, un troisième. Et vous n'avez pas encore détruit l'armée. Vous savez qu'après demain, lorsque la lune se lèvera, pleine, grosse et belle, Barmir se transformera en un loup-garou d'un genre que vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de rencontrer encore. Un loup-garou alpha. Qui sera aussi létal peut-être pour lui-même que pour tous les autres autour de lui. Qui vient de se mettre une ceinture de géant autour de la taille. C'est pas faux. Décision. Alors je crois comprendre que dans... Alors est-ce que vous prenez un repos long ? La discussion a été abordée, certains sont pour, d'autres plutôt contre. En fait, je me dis que si on... Non, plus simple. Parce que ça va déterminer le repos long. Est-ce que vous décidez d'en finir avec les druides d'antan, ici, et maintenant, enfin, dans 8 heures, quitte à camper sur la colline, avec ce que ça peut signifier. Vous n'avez pas approché de l'arbre, pour l'instant, donc vous n'avez pas encore en visu la menace potentielle. Vous n'avez pas pris l'information. Ou est-ce que vous essayez de rentrer à Kresk pour trouver, avec un peu de chance, le père Lucian dans la ville fortifiée avant la pleine lune, sachant que... Alors, vous n'avez pas exactement 2 jours. Si, vous avez 2 jours et demi. Nous sommes le 29 du mois des marteaux, la pleine lune aura lieu le soir du 31. J'ai une question, une vraie question. Si, imaginons, Barmir avait planifié de partir avec Gabriel. Oui. Si Barmir décidait d'un changement, de faire Finsteed et de partir avec sa propre monture, en laissant le groupe derrière pour le moment, pour ne leur faire courir aucun danger, ni à eux, ni à Gabriel, combien de temps mettrait clairement Barmir pour rejoindre Kresk? Alors, je vais me pencher vers Monsieur Baron, qui, je crois, avait fait les calculs. Non, parce que moi, j'ai un choix différent. Ah non, toi, t'as un éthéré. Le Feinsteed... Rappelle-moi la vitesse de déplacement de ta monture. 50. Le problème, c'est que j'ai pas... j'ai pas pris le plus rapide, en plus. J'aurais dû prendre une autre monture, j'ai voulu faire le malin. Après, tu peux pas changer à chaque fois que tu lances le spé ? Non, c'est fixe. Ah, c'est un, et tu en as un dédié à ton perso ? Je dis pas de mieux, ouais. C'est ça. Okay. 50 feet. 50, ouais. Donc tu dashes à 100. On va sortir la calculatrice. En sachant qu'en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas fatigué, donc il n'y a pas besoin de se reposer avec cette monture. Ouais, mais 100 pas hyper rapide, quoi. 100 x 10. Tu fais 1000. Par minute. Que je te dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Ouais, tu fais du 1000 pieds par minute. 1000 pieds par heure. Ok. Ça nous fait du 480 000 pieds par jour. Un chiffre impressionnant dit comme ça, mais après, faut voir la distance. 110 km. J'ai 140. 150 même. Ah, 140 km. Ouais, 150 km.
Ok. Transformer en pied. Ah, mais pour 110, tu disais pour Kresk ? Oui. Ok. Ça fait. Waouh, 459 318 pieds. Tu pourrais le faire dans la journée, en une journée, en 24 heures, basiquement. Ça veut dire que t'es seul sur la route. C'est-à-dire que je suis seul sur la route, mais que je ne fais prendre aucun danger à mes compagnons. Ouais, moi je le fais en 6. 6 heures ? 6 heures ? Ouais. D'accord. Donc, je pense. Hein ? Ouais. Si tu pars avec Gabriel, tu peux faire aller-retour. Ouais, je peux faire aller-retour. Je pense que. Si tu me l'autorises, je vais. Comment ça, tu. Comment ça, il peut faire l'aller-retour ? Si, on mettait, si le rideau n'avait pas lieu à genre 20h le soir, on aurait pu faire l'aller-retour. Oui, c'est ça. Vous savez que vous avez besoin de la pleine lune ? Oui, c'est ça le truc. Oui. En fait, on peut y arriver, on peut y arriver en fin d'après-midi et repartir le lendemain matin, quoi. Oui. Si ça fonctionne. Le rituel n'aura pas eu lieu. Van Rechten vous a dit que vous avez besoin de la pleine lune. T'es mort. Je pense qu'après le repos court, je vais. C'est la première fois, je pense, que je vais m'adresser comme ça à H. Mais en tant que qu'enfant de Céanine, je vais peut-être avoir plus tendance à aller vers elle. Et je vais commencer peut-être sortir des sons de la lumière. C'est pas la même. Je vais te regarder, hein, je vais te dire, écoute, je sais qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde dans ce groupe. Je sais que beaucoup de choses se sont passées depuis notre rencontre, mais j'aurais une question très importante à te poser et qui pourrait définir mon avenir, l'avenir du groupe, possiblement le tien. Tu sais que je suis sous l'emprise de la malédiction. Tu sais que il faut que j'aille à Kresk pour le rituel, qu'on avait prévu d'y aller à Gabriel, mais j'ai peur de le mettre également en danger. J'aurais souhaité le conseil d'une possible amie pour savoir si je devais partir seul et vous laisser ici au risque de mourir sur les routes, mais au risque de vous laisser la vie sauve. Ou est-ce que je devrais accompagner... Est-ce que Gabriel devrait m'accompagner et me permettre de rejoindre plus vite, mais possiblement lui le mettre en danger? Qu'en penses-tu, H? Tu vois qu'elle se tient un peu le menton, en train d'essayer de réfléchir à tout ça. Et elle se tourne vers toi et elle va dire « Tout ce que j'ai pu apprendre de la Barovie, c'est qu'il ne fallait jamais partir seul. » Et plus vite, vous serez... Si Gabriel te permet d'aller plus vite, il te permet de revenir plus vite. Tu as sans doute raison, H. Dans tous les cas, s'il venait malheureusement à m'arriver quelque chose, je ferai en sorte que Gabriel reste sain et sauf. Mais tu as plus Je vais enlever la buveuse de mon dos. Je vais te la donner. Je vais te dire, je te confie l'arme de ton ami. Tu l'as connue depuis bien plus longtemps que moi, et si malheur venait à m'arriver, dans tous les cas, cette arme viendrait à disparaître. Donc, je te la confie et je te laisse en faire ce que tu veux. Je pense que ton avis et ta décision sera amplement la bonne par rapport aux miennes. Et je vais te tendre la buveuse enroulée, toujours dans la cape... Bah, je vais la prendre de la main droite okay. Et la planter sur le côté. D'accord. Sur mon côté. Je sais pas si tu peux la planter parce qu'elle est enroulée. On l'avait enroulée, tu sais, dans la grange là, j'avais pris des câbles, des draps, enfin tout ce que j'avais pu prendre pour l'enrouler. Ça reste une hallebarde, c'est de la terre meuble à côté de vous, donc ça sera pas un souci. Et là, si on était sur notre vieille console Microsoft, tu verrais un petit succès apparaître en haut sur une armure. Marquant fait confiance à ses camarades.
Et je vais décider de prendre la voix de Gabriel pour partir à Kresk. Donc quand ça sera le moment venu. Donc on fait un repos long ici. Repos c'est long ça aussi. Que je comprends. Oui, non, non, oui, tout le monde est d'accord. Je crois que c'est ça, oui. Oui. Un peu plus éloigné quand même. Ou vous souhaitez vous rapprocher de la chose? Bah j'aime bien la vue d'ensemble de la colline. Non mais plus éloigné, je parle d'une soixantaine de mètres. Pas plus. Oui, ok, oui, par là, oui. Fort bien. Si on nous abritait déjà. Est-ce que ça va à tout le monde? Ouais. Bien sûr. Bah on fait ça alors. Et j'imagine que je vais en profiter pour m'en demander un petit peu plus à... Justement à Oscar et Camo de nous en dire peut-être un petit peu plus sur... Sur ce qu'ils comptent faire en fait, sur leur but, parce qu'ils ont parlé beaucoup du rituel, qu'ils avaient besoin de la buveuse. Ouais, pareil en fait. J'aimerais qu'on... Limite qu'on s'assoie sur un foot camp. Vous nous en disiez plus parce que c'est... Je vous le dis tout de suite, il sera impossible pour moi de vous donner cette arme sans savoir à quoi elle va servir. Je vois pas pourquoi je leur dirais. Elle est à moi. Mon ami, je pense que c'est une offre le plus que juste. Buveuse peut être utilisée pour purifier le Gultias, le faire mourir, disparaître et arrêter son étendue. Et vous jurez de cela sur votre honneur de guerrier? Dans la fois que j'ai parlé de mon honneur de guerrier, celui qui est à la fois mon dieu et mon chef de... Mon ancêtre, mon chef, a dit que je méritais pas ce titre. Alors, est-ce que j'ai vraiment un honneur de guerrier? J'en sais rien, mais je le jure sur mon nom de Cavani. Eh bien, écoutez, si... Moi, je prends tout ce qui sert à brûler Gutias. Si vous dites que cela purifie, je n'y vois toujours aucun inconvénient à vous la donner. Yeah, il faudrait que je la mette, enfin, comment dire. Oui, je vais la planter, je m'occuperai de la planter dedans, mais dans le doute, il faudra peut-être faire un ou deux pas en arrière, juste au cas où. Pas que je vais vous taper avec, hein, non, non, mais. Que le Gutias risque d'avoir un gardien. On ne sait jamais. Non, je vous le dis. Ah! Comment ça, le Gutias risque d'avoir un gardien? C'est pas la première fois que j'en parle. Là, la dernière fois que j'ai vu le Gultias, il était accompagné de son esprit bouc. Je ne sais quelle créature déformée il avait corrompu. Et Gabriel, tu parles beaucoup. Il faut que j'arrive à retenir toutes ces informations. Mais je vous l'accorde, c'était il y a longtemps. Ok. Et est-ce que vous pensez qu'en détruisant cet arbre, le Gultias, toutes les maladies qui auraient pu... J'en ai aucune idée. Ça me parle pas, votre histoire de maladie. Eh bien, je pense que nous pouvons conjecturer sur le fait que si nous purifions le Gultias, nous purifions par la même occasion la terre qui l'a contaminée. Si vous trouvez un moyen de purifier le Gultias, voire on peut peut-être essayer de trouver un moyen de purifier le Gultias. Ça, ce qui l'a amené... Avec la même méthode. Peut-être pas avec la même méthode, non. Vas-y, t'es mauvais. Parce que s'il faut taper sur la sœur d'Edwin... Pas sûr qu'elle survive. Exactement. En général, on meurt quand on est tapé par un truc. Surtout si ça coupe. Ça dépend. Et je te montre le mon bras un peu mécanique. Elle suçait le sang, le truc qui vous a coupé le bras?
J'aurais préféré qu'elle me suce le sang plutôt qu'elle me prenne mes deux membres. Oui, ouais. Non, on n'est jamais trop prudent avec les objets magiques. Hein. Moi, je préfère perdre un bas, je pense. Si vous le dites. Non. En tout cas, elles m'ont fait baver tous les jours. Et elle regarde la Moonblade. Qui brille toujours de ce très faible éclat grisé. Comme pour te répondre. Non mais attendez, ça aussi ça parle en plus. Non mais c'est quoi cette équipe de... c'est quoi c'est ce pays où il y a que des armes qui parlent? Camo, c'était pas dans les livres ça. Eh bien, je suppose que... Peut-être que des objets peuvent être habités par des esprits. Que ce soit leurs propres esprits ou des esprits autres qui ont pénétré l'objet. Qui décident de l'habiter. Moi, je pense que Brutas et moi avons plus de points communs que prévu. Brutas ? Ah, vous parlez de... J'ai jamais utilisé ce sobriquet. Mais je pense que si je venais à l'utiliser, il me mettrait une pogne. Ça va. Mais c'est moi. Vous aussi, vos ancêtres se trouvent dans cette buveuse ? C'est ça? J'essaie d'en savoir plus là, il faut m'aider. Camo, je crois que c'est à toi qu'elle parle, non? Ouais, parce que j'étais pas sûr. Qu'est-ce que Camo sait de la buveuse, lui, par contre? Ce qu'aurait pu lui révéler les esprits ou. Déjà, je pense que toi, tu devrais, si tu la connais, tu l'appelles pas la buveuse. Absolument oui, rien, voilà. Camo! Okay, les esprits t'ont parlé d'un artefact, et c'est absolument tout ce qui a été nommé. Le flambeau de votre peuple est la solution à vos problèmes. Alors c'est un petit peu insultant, arrêtez de l'appeler comme ça, la buveuse. Est-ce qu'on appelle une épée coupe-coupe? Non, on appelle ça une épée. Vous appelez ça votre ancien propriétaire. Oui, c'est comme ça que l'appelait Edwin, Oscar. Ouais, mais c'est normal, il l'a volé. Je m'avance peut-être, mais cela pourrait peut-être correspondre à ce dont les esprits m'ont parlé, le flambeau de notre peuple. Mais je m'avance peut-être. La buveuse, c'est quand même plus court que le flambeau de notre peuple. Mais il s'appelle Sicane. Et pour l'avoir vu en combat... Ça, tu ne le sais pas, mon ami Oscar. Beaucoup mieux. T'es sûr ? Oui, c'est une information qu'a seul Edwin. Et qu'il est mort pour obtenir. C'était Edwin qui l'avait ! Oui. C'est pour ça ! Ok, d'accord. Redcon, my bad. C'est oui, c'est ça. C'est Edwin qui l'a eu. C'est pas comme j'ai récupéré à peu près les persos en même temps. C'est ça, t'inquiète. Mais oui, non, ça c'est la dernière chose qu'Edwin a entendue avec sa conscience. De rejoindre le tout. La buveuse, maintenant pour moi. Ah, mais après, la buveuse, ça reste super péjoratif, on va pas se mentir, j'ai aucun problème avec le reste de la conversation. Mais, honnêtement, vous pourrez lui donner tous les noms que vous voulez, la buveuse, ça restera celui qui est le plus approprié. Oui, elle fait ce truc-là. Fou. Oui, elle aspire le sang. Ah. Oui, il a nettoyé une place de village, comme ça. Et du coup, tu l'appelles la brillante, ton épée, à toi? Non. Mmh. Malheureusement, je ne sais pas comment elle s'appelle. Avez-vous pensé à lui demander? Est-ce que t'as pensé à l'appeler comme ton pote le faisait? Parce que ça se trouve, ça a l'air de marcher. Ça marche. Alors, vous avez votre manière de vous y prendre avec vos armes. Et chez nous, c'est une autre manière, on va dire. Vous savez, la plupart du temps, pour communiquer avec un esprit, il faut s'adresser avec lui avec respect. Et savoir avec quel esprit on veut communiquer en particulier. Attends, Camo, c'est pas toi qui me disais que parfois t'en as un qui apparaît, mais tu sais jamais lequel. Oui, mais ça c'est parce que c'est eux qui décident de venir. C'est différent. Et quand je vous entends dire ça, j'ai jeté un œil à la garde de la Sunblade. Écoutez, moi je vous propose que, par question d'égalité, nous la renommons la brillante. La brillante. Quoi? La bronzante, la brillante et la buveuse. De la Sunblade.
De la Moonblade, pardon. De la Moonblade et de la Sunblade. Ouais, je parlais vraiment de la Sunblade. Sunblade ouais. Brillante pour la Sunblade, bronzante pour la Moonblade et. Ah, scintillante pour la Moonblade. La scintillante. Moon, ce sera mieux. Brillante, scintillante et buveuse. Eh bah super. BBB. Non, BSB maintenant. BBS. Je vais vraiment regarder la Moonblade. La scintillante. Really? La scintillante? Really? La scintillante? Écoutez, de l'autre côté, on a le flambeau de votre peuple. La garde de lumière, je suppose. Et l'épée de la lune. Donc oui, la buveuse, la scintillante et la brillante. J'adore, c'est en 52, le RP, on va nommer nos armes maintenant mieux vaut tard que jamais. Et moi, je pensais l'appeler Bibi, mais bon. Je pensais l'appeler Madame Bibiche. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Gertrude, on va aller combattre nos ennemis. Allez, j'ai repris le bien. Je commence à me rendre compte de pourquoi il y a des morts dans ce groupe. Seulement pour ça. Parce qu'on n'a pas appelé nos armes. Mmh. Par les bons noms. Ça vous donnera les gilles du protagoniste. Le scénarium. Quelqu'un avec une arme nommée ne meurt jamais. La buveuse, elle n'était pas nommée. Hein. C'était un sobriquet de merde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je tiens à dire, sauf dans le cas d'une backstory épique. J'aimerais que Gabriel et Ash me fassent leur jet de perception pour le tour de garde. Tu veux vraiment que Gabriel fasse un jet de perception? J'aimerais leur parler... Oui. C'est limite vexant. C'est vexant. Comment? Est-ce que Samo est toujours là? Il est oui. Pas encore mort, c'est... normalement. C'est le cinquième jour, je crois, non? Oui. Il est encore là. Il est encore c'est là. C'est le dernier jour. Ah ouais. C'est le dernier jour. Alors, c'est 5 jours après la mort, on est d'accord. Ouais. C'est 5 jours après la mort, ouais. Baron et Lulu, vous rajoutez 3, hein, vos... On dort tellement à côté de toi. Non, c'est le... C'est le quatrième jour, il en restait encore. Il restera demain. Oh, tant mieux. Il en reste... Il restera il demain. Il en reste un. Demain, ouais. Il reste demain. Samo est en train de mourir. Je pleurerai plus pour lui que pour vous. Hein. Je... Le raid, j'ai pas la main, c'est pas que pour les... que les sauvegardes, non? C'est, si. Pour, c'est pour vous. Sauvegarde, ouais. Non, sauvegarde. Sauvegarde. Calmons-nous. Mais en même temps, Samo, il te donnait avantage à chaque tour, Ashana. C'était ton meilleur allié, ton compagnon. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Exact, je comprends bien. Et là, j'imagine, Ash, que tu vois les yeux de Samo, tu sais, tout doucement enlever de la lueur, tu sais, au fur et à mesure. C'est comment la dernière phrase de... Il y a de la vapeur qui est de plus. Mes batteries sont faibles et ah oui. L'obscurité me gagne. Mes batteries sont faibles, l'obscurité me gagne. C'est horrible. Il commence à faire froid. Il commence à faire froid. Oui, c'est ça. Mais vous savez que vous allez vraiment la faire pleurer en plus. Bah oui. Do not go silent into that long night. Do not go silent into that long night. Je vais pas le faire en RP, mais j'aimerais donner les informations à Gabriel, parce qu'il a parlé de ses rêves de Gultia, j'aimerais donner les informations à Gabriel. De la première rencontre avec Achar Natal. Quand j'ai été en transe et que je me suis battu contre Adil. Je veux lui donner cette information-là. Tu t'es battu verbalement avec lui, mais je vois ce que tu veux dire. Ah oui, tu sais. Des bourses. Ah. Très bien. Ash te parlera donc de sa confrontation avec Radin quand elle avait été happée par cette puissante Moonblade étrangère jusqu'au sommet de la plus haute tour de Ravenloft. Avec cette espèce de battement de cœur, même lui expliquer vraiment, donner la description de ce battement de cœur que j'entendais. Mmh. Et elle te dira qu'elle ne comprend toujours pas comment c'est possible d'avoir un battement de cœur dans un château, mais qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. Elle te donne Les têtes vives parlent. Les épées vous amènent et vous téléportent. Le château peut avoir un cœur, ils mourront quand même. J'espère juste que nous réussirons à trouver
la salle de ce cœur. Et qui, il faut pas non plus oublier que on a toujours ça. Et je lui montre le livre Strad. Oui, il va falloir d'ailleurs nous replonger dedans. Comment on va leur expliquer ça? Est-ce la seule rencontre que votre lame vous a fait vivre? On t'entend un peu grésiller, Gabriel, là tout de suite. C'était pas le cas avant. Ouais, je vais faire ce que je peux, mais. Ça marche. Parce que c'était pas du tout le cas avant, depuis le début de la partie. Ah. C'est pour ça que je le note. C'est un peu bizarre. C'est la seule. Si je me trompe pas, hein, ça doit être. C'est vraiment la première fois et la seule fois où je me suis retrouvé contre lui. Transporté sur la plus haute tour. Enfin, la deuxième tour la plus haute, d'ailleurs. Eh bien, si vous voulez mon avis, je pense que votre prochaine rencontre ne sera moins verbale et beaucoup plus en votre faveur. Ah, je ne suis pas sûr. Sache que la sœur d'Achar Natal, je lui montre la Moonblade, est un peu réticente à travailler à mes côtés, c'est aussi. Écoutez, Galanodel, cette lame est d'acier froide. Et bien que vous pouviez vous mentir et vous dire que, puisque vous l'êtes un peu vous aussi, vous n'êtes que froideur et tristesse et autre raisonnement, vous êtes l'une des personnes les plus en vie que j'ai rencontrées. Et comparé au mort-vivant qui est ses terres depuis des centaines d'années, vous avez l'avantage qu'ils n'ont plus. Vous pouvez changer, évoluer. Et vous vaincrez grâce à ça. J'ai envie d'y croire, Gabriel, j'ai envie d'y croire. Eh bien, si vous n'y croyez pas, jetez-vous au moins dans le combat avec la ferveur d'un fou. Il paraît que ça vous donne un avantage. Et parfait, Anine, pitié, Gabriel, arrête de me vous voyer. Ça m'énerve! La douceur, c'est une forme de respect. Et je vous respecte énormément. Vous êtes subitement interrompu dans votre discussion par le cri sifflant d'un résineux malade qui est en train de vous charger depuis le sommet de la colline. Vous le voyez arriver de très loin alors qu'il y a trois branches qui craquent sur sa route. J'aimerais savoir comment vous réagissez. Vous vous rendez compte qu'il y en a deux autres qui sont juste derrière lui à 10 mètres. Je... 3 secondes. 2. 1. Très bien, je vais demander un jet d'attaque, s'il te plaît. Mais ça va être là, ça, toute la nuit. Moi, je sors... Bah, j'avais ma Moonblade, de toute manière. J'étais en train de la lui... Ouais. T'as compris. Tu la prends juste pas. Elle est pas harmonisée, rien du tout. C'est juste coup de la garde dans le front, fort bien. Je suis désolé, mon attaque peut pas partir. Bah, tu peux être désolé. Ça y est. Bah voilà. Non, c'est le dash qui vient de partir. C'est la mienne. Demande un petit devant. Ouais, non, mais en fait, j'ai relancé le fond. Ah ouais, c'est possible que t'aies été déco. 19 touches. Gabriel est à côté de toi. Je mets pas la Booming Blade pour éviter de réveiller tous mes. Ouais, ça marche. Camarades. Pour l'instant. Touche avec le Fan Whip. Ouf. On serait sur Pathfinder, ça serait un crit. Pour un 6... 6 et 7 qui font 13. 9. 22, très bien. Alors que... Gabriel, tu enroules ce fouet de liane autour du corps du premier résineux valade. Ashana, tu te lèves, le transperces en palant le deuxième qui était en train d'arriver derrière dans un même mouvement. Le troisième essaiera de te mettre une attaque. Tu réussis à esquiver la projection d'épines qui vient de lancer dans ta direction, alors qu'il continue de courir vers vous. S'il m'a... Attends, la projection il t'a raté. D'épines, c'était pas... C'était pas du corps à corps. Il est en train d'arriver à la mêlée, là, petit à petit. C'est à vous. Brace yourself.
Il en reste qu'un là, on est d'accord. Il en reste qu'un seul et il vient d'utiliser son tour. Bah je vais le cendrer pas encore une fois. Ce sera pas la peine de rouler, il en reste qu'un seul, vous êtes deux. Vous réussirez à abattre le troisième. Ouais, c'est bon, ça passait. J'ai vu le Nat One. C'est vrai que vous pouvez vous blesser vous-même, vous êtes vos propres ennemis, j'oublie souvent. La troisième créature s'abat en silence sur le sol. En fait, j'imagine trop Gabriel, Fornwhip, tirer vers lui et H arriver avec la Moonblade juste pour sectionner la tête. C'est exactement ça. Il y en a d'autres qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais faire en sorte qu'il ne nous trouve pas. Ce sera plus simple. Je vais lancer un mur de pierre. Pour nous couvrir. Tout autour de vous? Ouais. Laisse un petit interstice. Tu peux faire un cercle? Est-ce que tu peux faire un dôme? Est-ce que je sais que tu peux faire un cercle? Le dôme, je sais je plus. Sais que je peux faire un... c'est des panneaux. C'est des panneaux. Ouais, c'est un cube. Ok, ouais, c'est un cube, d'accord. Ouais. Tu laisses des petits trucs pour qu'on puisse voir ce qui se passe. S'ils sont assez grands, tu peux peut-être faire un tipi. Si je molde Earth un petit gap, qu'on se mette d'accord. Qu'on meurt pas à succès. Qui a pété? Tu pourras pas faire ça, mon ami. C'est de la roche que tu crées, pas de la terre. À travers le sol. Ah oui, sous le mur. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ok. C'est parce qu'il y aura plus frais, mais vous aurez une entrée d'air. Très bien. Il a pété, quoi? Il part dans son sommeil. C'est la brutasse. Vous passerez votre tour de garde, je ne ferai pas faire de tour de garde aux autres, parce que... Comment vous n'avez plus de vision sur rien du tout? Hein? Quoi? Bah, il y a un mur de pierre. Vous êtes littéralement dans un igloo en pierre. Bah c'est ce qu'il a fait, il a fait un trou en dessous, mais en fait il peut pas créer une meurtrière avec ses panneaux. Non. Donc il peut pas vous donner la vision. Est-ce que je peux pas prendre le hammer et le piston? C'est comme ça que tu fais. Alors, je t'explique, il y a 4 murs, ils sont tous porteurs. Ils sont tous porteurs, si t'en casses un, tu casses tout. C'est le sort qui marche comme ça. Je suis charpentier. Non, il casse charpentier, on a 10 bois. Oui, justement, charpentier. Je suis charpentier. Ah, mais un énorme coup de pioche dans le mur porteur, tu sais. C'est maçon que tu cherchais. Ah, moi, c'est pour ça que c'est tout cassé. Elle est pour la brutale. Elle est pour... Ok. Pendant le deuxième tour, à Shekamo, vous entendrez sur les coups environ de 1h du matin des coups répétés, frappés à la surface de la pierre. Oh bon sang. On les aura prévenus hein, quand même. Oui, mais bien sûr. Je suis encore là. Je suis encore là de toute façon. Je crois que. Ça gratte. Il va falloir faire quelque chose. Tu vois que c'est pas très violent, mais ça gratte. Oh, oui, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Si ça se trouve, demain matin, on sera entouré de bons ennemis qui nous attendent tout maintenant. Eh bien, peut-être que je peux relancer le sort que nous avions la dernière fois. Au moins, quand le mur sera tombé, je pourrai... on sera quand même protégé. Et on verra au moins ce qui se passe autour de nous. D'accord, mais très sincèrement, je préférerais le garder au cas où s'il venait à arriver quelque chose jusqu'à demain matin. Car c'est mon dernier sort de ce niveau que je puisse lancer. Il n'y a pas une histoire de rituel? Non. Est-ce que les murs commencent à bouger quand ils tapent ou... Oui. Il a 50 points de vie de mémoire. Je te dis ça. Merci. Ouais, eh bien je crois que le choix s'impose pour nous. Je vais... Ah putain, merde. Ça prend une minute à lancer. 30 points de vie. Ouh, weak. Ok, je pensais plus résistant. Combien de C1 par contre, je crois qu'il compense sur la... D'accord, ouais, c'est ça, regarde pas trop. Ok. Oh, écoute. Écoute. C'est surtout pour interrompre les champs de vision.
On va s'en débarrasser, et puis tu pourras faire ton rituel. D'accord, et comment comptez-vous vous en débarrasser? Pas besoin de vous voyez. Je sors la Moonblade et j'attends. D'accord. J'attends une deuxième série de coups, maintenant venant du nord. Je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux, H. Justement. Donc, je sais pas, vous voulez faire votre truc ou... Oui, je vais commencer à lancer le rituel et je compte sur vous pour me défendre ou réveiller les autres si ça devient nécessaire. Et je commence à lancer du coup Tiny Hut. Après 48 secondes, H. Le mur s'écroule autour de vous et se décompose en cendres. Tu vois autour de vous 4 résineux malades ainsi que 3 petits buissons. Oh non, pas eux. Qui commencent à fondre sur les dormeurs. Écoute, je vais essayer de... Étant donné que je m'étais préparé, je peux avant même qu'il fonde, au moins essayer d'en tuer un. Ça serait pas mal. Un ou plusieurs d'ailleurs. Toujours en utilisant la Moonblade. Est-ce que tu me donnes l'avantage dessus ou pas du tout? Non. Il n'y a pas de raison. Sachant que j'ai pas encore commencé mon... Comment ça s'appelle? Le long. J'avais, il me restait 2 manœuvres à la fin du combat. Donc je vais utiliser le bonus pour mettre en avantage. Ça se récupère pas sur un repos court? Sur un repos court, mais pour moi j'ai pas eu de repos court. Voilà, je vis de garder. Tu as eu un repos court? Non, je m'avais demandé justement à faire le repos long à la place pour garder ses dés de vie. Et d'ailleurs, l'offre vaut pour les autres également qui voudraient garder leur déduit, puisque finalement vous avez obliqué pour un repos long, je pense à Oscar notamment, qu'ils avaient tous consommé. Ouais, mais du coup j'ai plus de vie moi. C'est ça, là c'est vous qui voyez. Vraiment, vous êtes libre. Vous pouvez faire des repos courts individuels, hein, ça engage pas le groupe. Un repos long, c'est genre combien? Un repos long, tu récupères tous tes points de vie, la moitié de tes dés de vie arrondis au sup. Ouais, c'est la moitié de vie. Non, je vais Touche. Rester comme ça. Ok. Surtout vu comment c'est en train de se passer là. Pourquoi ne pas avoir lancé le Tiny Hut dès le début? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'aurais préféré économiser un spell au cas où, mais ouais. Mais tu peux pas lancer les trucs en rituel? Non, tu peux pas lancer les trucs en rituel. Sneak ou pas sneak? Il y a du monde autour. Et si je suis seul et pas seul? Alors, à côté de toi, il y a Camo, il sera pas à côté de l'ennemi. Ton but, c'était justement de le protéger. Question, est-ce que ça considère comme si j'étais en concentration, du coup? Oui, bien évidemment, tu es en train d'utiliser un sort. Par contre, avec ta sous-classe, H, tu l'as peut-être, car il n'y a pas d'allié à côté de l'ennemi. Par contre. Ok, super. Possible, ça fait... Mais oui, mais justement, Vert, puisque t'es en train de le ritualiser, ça te prend... Non, c'est pas un rituel. C'est pas un rituel, c'est le temps de casse, c'est une minute, tout court. Il le fait pas en rituel. Ça existe pas en rituel, c'est 10 minutes. C'est pas un rituel. Ouais. Juste le temps de casse qui est long de base, c'est ça? Pourquoi il y a un R rituel à côté du nom de Tiny Hut? Attends. Ah bah c'est ritualisable alors. Où ça? Attends, moi c'est pas marqué sur la sur la feuille de... Sur Foundry ils ont bugué, moi j'ai même pas les composants, putain. Donc c'est normal. Ouais non, sur Foundry attends. Ok. Concentration. Ouais, méfie-toi du Foundry pour ça. Oh, je vais. Putain, merde. Bon. Autant pour moi, du coup, ouais, je l'aurais. Ça va être trop tard. Over. Dans ta fiche Foundry, soyons gentils avec Foundry, monsieur Baron, vous avez tort. Tu vas dans Tiny Hut, tu vas tout en bas, il y a une étiquette avec marqué rituel en majuscule.
Où ça? Ah merde, putain, en bas, ouais. Oui, en bas à gauche, il y a une grosse étiquette avec écrit Ritual. Ça veut dire que c'est ritualisable. Écoutez, Léden, moi je veux bien le gentil avec Audrey quand il me rendra mes somatiques et quand il me rendra mes concentrations. Mais c'est dessus? Non, bah c'est pas dessus. Verbal, somatique. Mais Baron, à droite, à droite du sort, quand il y a concentration, il y a une tête de bonhomme avec une flèche. Mais peut-être sur ce sort. Avec une flèche. The fuck. Sur ce. Voilà, merci. Je peux réimporter ta fiche. Oui, si tu veux. Non, tu peux. Non, ok, on verra. Ok, c'est super chelou. Pourquoi toi tu les as pas et tous les autres ils les ont? What the fuck? C'est pas la première fois que je le dis en plus. Non mais je sais, mais en fait pour moi c'est juste que tu les avais pas vus parce qu'il y a en effet sur tous les autres. Ok, c'est... Ouais. Mais d'ailleurs en plus, Over, t'as vraiment zéro excuse parce qu'il y a même une icône rituelle, du coup il y a un pentagramme là où il y a les têtes. Ok, j'ai... Enfin tu as toujours tort, Baron, mais de ton point de vue tu avais raison, je te le concède. Oh, attends. Donc non, la monsieur Over, vous n'avez aucune excuse. Non, non, par contre pour le coup elle est vraiment minuscule, je l'ai pas vu pour le coup. Autant ça fait des points. C'est un 4, noirs, c'est un 11. Ok, tu en tues un. Okay. On est parti. Ils vont réussir à manquer l'attaque contre Gabriel, même s'il est endormi. Le premier. Camo, nat 20. 6, 8, 12. Tu reçois 24 points de dommage. Non, attends. 6 et 4, 8, tu reçois 20 points de dommage. Persan. 20 points, ok. Les petits buissons, ils vont aller grignoter Barmia. Il y en a un qui. Ils vont pas réussir à toucher. Lui non plus. Lui non plus. Et le dernier résineux va aller attraper Oscar. Va toucher. Oscar, tu es réveillé puisque tu prends 8 points de dommage, persan. J'ai fait 19 pour la concentration. Tu maintiens la concentration sur ton rituel. H. J'ai regardé l'abrutage, j'ai dit désolé. Oscar, il vient de se faire planter. Littéralement, t'as une épine de pain en travers de. Enfin, pas en travers de la gorge, mais qui t'a éraflé sur le côté. Et tu te réveilles avec cette vision-là. Tu vois cet arbre, cette parodie de nature résineuse couverte de pommes de pin, d'aiguilles brunies, qui est en train de t'enjamber, qui est en train de te dominer de toute sa hauteur, et en train juste de te pummel au sol. Coup de poing. H, vas-y, ouais. Bah, fou, moi. Toi d'abord, parce que l'ami Oscar, il est en train de se réveiller présentement. Il va pas être combat ready au premier tour. Ok. C'est bien dommage. Bon, ça va, Brutas, il est censé tenir. Je vais. Là, c'est la surprise sur les autres. Ouais. Ouais, je vais m'occuper des trucs autour de Camo. Parce que je sais qu'il est sur son rituel. Si tu me l'accordes. Hop. Je t'en prie. Par contre, oui, Camo, j'ai oublié de te le dire. Merci à Gibbs de me refaire le rappel. J'étais sur point de te dire, puis j'ai oublié avec le truc du rituel. C'est 11 minutes en rituel. Oui, mais du coup, c'est pas en rituel. Je le lance normalement. Tu lances en tir 3, du coup. Bah, ouais. Ok, coup, d'accord. Ok. Et du coup, t'avais dit qu'il y avait eu 43 secondes, donc là on non, 48, il reste un tour. Encore. D'accord. Donc, taper. Oui, j'ai déjà tapé. Non, merci. J'ai pas encore tapé. Hop. Touche. 23. Et pas sûr, un sneak. Hop, 6 plus. 12, 18. Pour 18, très bien, tu tues un deuxième résineux. Il en reste encore deux. Avec les buissons ou sans... Plus ces trois buissons, bien entendu. Ok, je peux pas faire autre chose. Alors, les trois buissons vont toujours échouer de percer Barmia. Ils vont le réveiller, par contre, à force de taper sur l'armure, ça fait stonk-tonk. Oh, qui c'est qui me réveille, là? Oscar, tu réussis à bloquer le coup de patte du tien. Et Camo. Oh la vache, le tien va à nouveau toucher avec un 23. Mais non, je l'ai tué celui-là. Ah mais il y en a un autre qui vient prendre la place.
Ils vont tuer ce qui est en train de lancer de la magie, surtout s'ils savent pas ce que c'est que la magie. Ce sera un 9 de dommage perso. Over, je demande une sauvegarde de concentration, s'il te plaît. Ouais. Enfin, qu'est-ce bon. 14. 14. Très bien. À la fin du tour, j'aimerais savoir quelle créature tu mets dans la tiny hut. Je vais vérifier un truc. Attends. Alors. Non, tu choisis pas. Voilà, ça se la hutte se forme. Autour de vous, vous avez présentement 3 buissons et 2 résineux malades à l'intérieur. Oscar, je vais te demander ce que tu fais comme réaction tout de suite. Ça sera l'occasion de te laisser jouer un peu. H, je viendrai te chercher juste après. Attends, si j'ai bien compris, il vient juste d'enfermer les gens dans la hutte, c'est ça? C'est ça, vous avez la hutte autour de vous, vous pouvez en sortir. Tu peux en sortir et librement. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas les résineux qui sont dedans? Si, aussi. Avec vous. Avec si, vous. Avec la face pour tout ça. Ok. Oui, oui, c'est grand le tiny. Vous avez 9 créatures qui rentrent à l'intérieur. D'accord, ok. Actuellement, ils sont un peu. Les petits, ils sont empilés comme d'hab, mais c'est les petits, ils s'en foutent. Bah écoute. Attends, ça veut dire qu'il y a un d'entre nous qui est dehors. Ou un d'entre eux qui est dehors. Non, bah non, parce qu'on serait positionné de manière. 5 et 2, 7, et les petits, ils tiennent sur une case, ils sont tiny. J'ai peut-être un reckless sur les trucs, hein. Moi je veux juste aller retourner coucher, j'aime pas qu'on me réveille. J'attrape ma longsword et c'est parti. Pardon. Tiny hut échoue à se lancer. Hein? Paragraphe 2, ligne 1. Le sort échoue si plus de 9 créatures sont à l'intérieur. 5 et 2, 7 et 3, 10. Et quand tu casses la hutte, on rentre automatiquement dedans? Non, il est casté autour de vous. Et les créatures sont sur vous, présentement. C'est une zone. Oui. Ok. Mais du coup, j'attaque quand même. Oui, je me doutais. Je me doutais. 23 et 11. Alors que tu décoches un coup de poing dans l'entrejambe du résineux qui est devant toi, ils n'ont pas de partie génitale, ce sont des plantes bien entendu. Ils pourraient en avoir, mais pas là où tu penses. Car ce sont des plantes, ils ont peut-être des pistils ou des étamines, tu ne sais pas, tu ne préfères pas savoir. Bref, tu le fends. Je sais pas ce que c'est. Il y a maintenant 9 créatures dans la zone. Bon, bah, deuxième attaque, hein. Toujours en avantage vu que j'ai reckless. On voit la sauce. Heureusement, je reckless, hein. Tu tues oh, bam, deux des petits buissons qui sont sur Barmière. Ouais. Je vais garder mon action surge au cas où quand mon tour de garde viendra. Ça marche. H. H, donc elle en a tué deux, c'est-à-dire qu'elle... En vrai... Ouais, elle en a tué deux, c'est ça. Il en reste trois, un petit buisson et deux résineux. Cependant, je vous proposerai de faire ça en ellipse, gagner du temps. Oui. Ouais. Parce que vous allez débander ce qui reste, Barmir rejoindra au prochain tour, donc... ce sera wipé. Étant donné qu'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus rien, est-ce qu'il peut refaire un rituel? Je peux le relancer en rituel, ça prendra 10 minutes. 11. Oui, 11 minutes, vu que c'est 11 de temps de base, 1 de le temps de base. Ouais. Bah, Ellie, ça te va? Mais bien sûr. Ok. Vous aurez... deux liards malades qui viendront vous interrompre pendant ce temps-là, mais maintenant que tout le monde est réveillé, vous les dispatcherez à leur tour. Ouais, je pense que pour 11 minutes, on va tous rester éveillés pour le protéger le temps. C'est ça. Oh non, Barmière va retourner. Barmière va se coucher. De toute façon, ouais, ils auraient essayé de me taper, ils m'ont juste fait trier l'armure. Quoi. La hutte de Camo se lance autour de vous. J'aimerais que tu nous la décrives, Camo, s'il te plaît. Alors, Camo va tout simplement en fait contrôler les runes qui sont dans sa main, les faire flotter autour de nous, et pendant qu'il les réajuste, à la fin du rituel,
Elles vont venir se positionner en plusieurs points tout autour de nous pour former la hutte, et des esprits vont venir en sortir. Mais à quoi elle ressemble cette hutte ? C'est une yourte mongole ? C'est une tente de cirque ? Alors, c'est, à l'occurrence, c'est pas une hutte à proprement parler, c'est plus des fumerolles dues à la présence des esprits qui vont venir former une barrière tout autour. D'accord. Très bien. Plus un globe, en fait, de brouillard. C'est ça, de brouillard fantomatique. C'est un hammam. Vous pouvez valider votre repos long. Et thank God. Tu m'en voudras pas, je lance deux fois pour avoir tous mes... Enfin, même t'inquiète. Trois fois pour avoir tous mes dés de vie. T'inquiète. J'avais cinq dés de vie. Je t'en voudrais pas, non, certainement pas. Merci. Alright. Il est 21h. Vous avez encore la hutte. D'ailleurs, j'ai dit de la merde, c'est pas aux alentours de... J'ai dit 1h du mat, je suis complètement craqué, moi. C'était aux alentours de... Tchac. C'était aux alentours de 15h. Qu'il y avait eu la première attaque. Enfin, la grosse attaque contre le mur de pierre. 21h présentement. Que je vous replace, hein, je rappelle. 13h, comme j'avais dit trois fois, fin du combat. Repos long 8h, 21h. Début de la nuit. Il vous reste 3 heures de Tainyot. Après votre Polon qui est juste là. C'est pas le moment d'aller regarder ce qu'il y a et puis se réfugier si jamais. Oui, c'est le moment d'aller espionner. Si vous voulez, vu que nous avons 3 heures, je peux déjà repréparer le rituel pour parler, communiquer aux esprits que nous avons fait hier. Ce serait une bonne idée, oui. Fort bien. Donc, je vais regrouper tout le monde autour, autour d'une bougie et de runes. Et je vais commencer à appeler les esprits. Tu convoques les esprits. Les flammes de ta bougie s'illuminent de bleu subitement, Camo. Les esprits ont répondu. Est-ce que je peux leur poser une question ou est-ce que je fais juste la partie... Tu peux essayer de leur poser une question, libre à eux de répondre. Est-ce que... Je formule dans ma tête la question. Esprit, le Gultias est-il solidement gardé par là où nous allons approcher, c'est-à-dire de face, je fais référence à face. Une volute émerge de la sphère qui vous entoure, Camo, indécise. Son visage anonyme. Vous la voyez se glisser autour des épaules du barde, se faufiler dans les replis de sa capuche. Le Gildias est gardé par en dessous, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Mes parents pas. Tu vois la volute se dissiper alors qu'elle rejoint la masse. Je vois.
Eh bien, les esprits ont été fort sympathiques de nous communiquer une information. Je pense qu'il faudra se méfier de ce qui se trouve en dessous du Gultias. Peut-être même de ses racines. Ou toute autre créature souterraine. Pour le sort, du coup, je vais reprendre Revivify. Revivify, bien entendu. Qui veut mener l'expédition de reconnaissance auprès de l'arbre de Gultias? Ouais. Toi, Barmia? Non, c'est Oscar qui mène. C'est Oscar qui va. C'est Oscar. Mais vous pouvez être plusieurs à y aller, vous avez... Permettez-moi, sinon, je peux faire de... Les esprits peuvent me permettre de faire plus de reconnaissance. Hein. J'ai retrouvé ma case, c'est bon. Ouais. C'est la mienne. C'est... Elle a le slime, là. Escape. Les esprits peuvent me permettre de faire plus de reconnaissance. Est-ce qu'un passage sans trace serait utile? T'as vu, c'est chiant au voir quand t'essaies de RP qu'il y a un mec qui fait le bouffon en arrière-plan. Hein. Là, c'est relou, hein. Et tu sais ce que j'ai ressenti maintenant? Passage sans trace proposé Oscar. Ouais. Mais je vais le lancer avec le bâton, hein. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous poser à l'accueil tranquille. Ce sera moins lagant pour vous, vous aurez pas l'effet de pluie. Je suis en train de me dire, j'aurais dû le faire il y a longtemps. Oh là là, c'est terrible. Tu lances passage sans trace, Gabriel, donc j'en conclus que tu les accompagneras. Je rappelle que oui. C'est une Naou. Oui, très bien. Je vais ranger la hache de loup-garou dans le sac sans fond. Voilà. Et je vais récupérer la hache de bûcheron. C'est ça, donc tu la donnes à Oscar, la hache de loup-garou, parce que le sac sans fond, il l'a récupéré. Hein. Ah, tu l'as récupéré, le sac sans fond? Ah bah oui, hein. Tout à fait. On m'a envoyé chier, Oscar, il est pas content, il garde ses affaires, du coup. Je vais me saisir, tant pis, je vais quand même reprendre dans ton sac sans fond la hache. Vous avez tout récupéré ? À demain. C'est toi qui l'as récupéré. Quand il a... C'est ça, vous avez toute la scène où justement Oscar l'a vidé et vous avez tous récupéré vos affaires. Après, okay, bah, comme j'ai les... c'était qu'il nous explique, justement. J'ai pas l'impression que à RP vous avez bien répondu, en fait. J'ai l'impression que ça a été skip le fait que vous nous expliquiez pourquoi vous avez besoin de l'épée ou de l'artefact. Si, je l'ai dit, c'est vrai. Je l'ai dit. Il a dit que c'est la buveuse pour pouvoir tuer purifier le Gultias, le détruire. Il a besoin de la buveuse, Oscar. On est ça. D'accord. Bah, c'est... Bah, en fait, pour moi, j'aurais pas eu de stop à vous donner le Gultias. Enfin, le Gultias. La buveuse. Oh, le Gultias, oui. Je pense qu'elle aurait été d'accord de le donner à ce moment-là. Elle vous l'a dit. Donc, techniquement, tu as la buveuse. En tout cas, qui est encore enroulée. Ok. Donc, comme j'ai plus la buveuse, je vais ranger ma hache, donc ma garde d'épée, je la garde dans la poche. Et je vais saisir à deux mains, je vais laisser mon bouclier dans la tiny hut. Ok. Et je vais me saisir parce que c'est une hache à deux mains, hein, on est d'accord, hein. Oui. C'est une hache à deux mains, la salle du boucheron, oui. Ouais. Ouais, et je vais me saisir à deux mains de la hache. Tu prends l'hache du Dulan. Pardonnez-moi, je peux lancer clairvoyance si vous le souhaitez. Quant à moi, évitons que vous soyez arrêté par les adversaires et les terrains difficiles que vous rencontrerez, mon cher ami Oscar. Quoique nous n'allons pas nous battre tout de suite. Je vois que vous avez bel et bien fait la rencontre de ma deuxième moitié. Oui.
Je vous souhaite qu'elle soit mise mieux à profit par vous que j'ai pu le faire de mon vivant, ou en l'occurrence dans ma mort. Elle était sacrément grande quand même. Vous savez que je la maniais à une main quand j'étais plus jeune. On a peine à le croire maintenant quand on voit ce qu'il reste, mais je vous jure, c'était vrai. Tu devais être un sacré gaillard. Ah, mais tu parles de l'âge que j'ai pris. Oui, c'est que vous l'avez sorti. Oui, oui, c'est l'âge. C'est la sienne. Il a tué deux personnes avec, mais c'est la sienne. Et là, est-ce que tu m'autorises avec mes 21 de force de la manier à une main? Heureusement, ça restera une arme à deux mains. Oui. Ça restera une arme à deux mains. Faut que je vois quoi. Alors, par contre. Le MJ est en train de dire que son personnage l'a manié à une main. Non, mais je dis-toi que je suis en train de regarder combien de force il avait. Donc, les tirasses à la base. On en reparlera avec plus de maîtrise, parce qu'il a clairement vécu toute sa vie avec, c'est la première fois que tu la touches. Ouais. Mais c'est pas exclu que, avec une bonne maîtrise, tu puisses le faire. Par contre, il faudra la manier clairement plus d'un combat. Par contre, j'imagine on met l'idée dans un coin, post-it. J'imagine qu'entre le moment où on l'a saisi la première fois et le moment où je l'ai saisi aujourd'hui, je sens une grosse différence de légèreté de ma part sur la hache. Ah oui, clairement. Clairement. Camo, tu nous as parlé de clairvoyance, mais qu'est-ce que... Comment ? Vas-y, vas-y, clairvoyance, ça fait quoi ? Ah d'accord, pardon, excuse-moi, j'ai cru qu'elle posait une autre question. Clairvoyance, ça fait quoi ? Okay. Clairvoyance, c'est un sort que les esprits me permettent de lancer, qui me permet globalement de voir ce qui se trouve voir ou entendre quelque chose qui se trouve assez loin de moi. Ça peut être un endroit que je connais ou un endroit assez évident, comme par exemple quelque chose que je vois un peu à distance, ou quelque chose qui se trouve derrière une porte, ou au bord d'un canal. Voilà. Pourquoi je suis reparti sur Torbjorn ? Je sais pas. Pardon. Ah mais si, je sais. C'est que ça fait longtemps que nous ne sommes pas durs sur ces écrans. Du coup, clairvoyance ou pas ? Blé. Clairvoyance ou pas ? Blé. Blé. Je pense que ça serait bien pour faire de la reconnaissance. Donc, ouais, c'est ça, c'est à 1 mile, 5280 feet. Mmh. Mmh. Ça devrait être donc, je vais le lancer aux alentours du Gultias pour d'accord. Voir s'il y a des ennemis. Tu peux le lancer au travers de murs ou pas ? Oui, à condition que ce soit évident qu'il y ait un vide. Ah, il faut pas qu'il y ait un vide là où tu lances le truc. Oui, voilà, parce que si je le lance dans le mur, ça sert à rien. Ça se lance pas. Ok. Hop. Je vous laisserai voir avec Rino, je me souviens pas du nom exact de l'item en anglais, j'ai vu ton message. Yep. Faudra peut-être configurer un truc. Tu lances clairvoyance, très bien. Ton senseur apparaît au pied du Gultias. Tu vois devant toi cet arbre immense, qui devait être jadis peut-être un saule ou un peuplier, avec de grandes branches tombantes, ondulant de manière presque rythmique. Dans l'air ambiant autour de la colline. À la surface de son tronc, ainsi qu'entre ses racines, tu vois d'énormes globes de galles, des excroissances ambrées, ces bulbes qui palpitent faiblement sous la surface translucide desquelles tu distingues des silhouettes en gestation. Des résineux. Des lierres. Des buissons. Mais aussi au pied de l'arbre, dans cette espèce d'énorme cancer de plus de
3 mètres par 3 mètres. L'ombre d'une créature dont toi tu n'as vu que le corps. Un agglomérat de racines, de troncs, de branches. Vous aviez vu sa dépouille après le combat au vignoble, à l'échelle. Qui est en train de grandir, qui n'est pas encore tout à fait mature, mais qui le sera dans les jours qui viennent. Tu distingues, planté dans le tronc de l'arbre avec une violence inouïe, une lance noire, sombre, une lance d'acier, portant le folklore de ta tribu, gravé tout autour de son manche, des loups, des guerriers, des arbres et des ours au milieu des cairns. Tu distingues une longue coulée au bas de cette lance, comme une blessure, comme du sang qui aurait séché. Et entre les racines, à 3 mètres de là, une ouverture, Camo, un trou. Ça te semble être une tanière de loup, d'un loup de bonne taille, qui s'enfonce dans les tréfonds de la terre sous l'arbre de Gultias, donne sur un tunnel. Tu ignores où mène ce tunnel. Attends. C'était pas un tunnel. Tu vois là les contours de la cavité s'ouvrir et se fermer à intervalles réguliers. C'est une trachée. Cela respire. C'est vivant. Mais tu vois ce trou de la taille d'un homme qui s'enfonce dans les profondeurs de la colline d'Antan, loin sous l'arbre de Gultias, loin sous cet immense organisme sur le dos duquel vous avez campé cette nuit. Il y a quelque chose en dessous. Vous avez à peine atteint le pourtour, à peine atteint l'épiderme. Si vous voulez porter le coup fatal, il faudra aller chercher quelque chose de létal, quelque chose de vulnérable, quelque chose de caché. Avec un craquement, un de ces orbes de gale sur la droite de l'arbre s'entrouvre, tu vois, la patte d'un résineux qui en jaillit. Alors que la créature, comme un fœtus, tombe au sol avec des restes de slime ambrés tout autour d'elle, tentant péniblement de se relever, tombant, avançant à quatre pattes, en s'agrippant aux racines du sol pour essayer de se hisser tant bien que mal, petit à petit se mettre sur deux pattes et se mettre à avancer vers le centre de la colline où vous trouvez, où se trouve ton corps, Camo. Je vais rompre la connexion à partir de là, je pense que c'est dû. Tu retrouves le contrôle de ton corps, tu vois tes quatre camarades autour de toi, dans l'orbe de fumée. Eh bien, c'était assez perturbant. Mais j'ai les informations qu'il nous faut. L'extérieur n'est actuellement pas spécialement gardé. Toutefois, il y a ces choses que nous avons approchées qui sont en gestation sur l'arbre. Plus une autre que je pense que vous trois avez dû combattre. Vous savez, ce gros amas de racines que vous aviez affronté au vignoble. Oui. Le truc qui a tué Edwin, by the way.
Et oui, tu as raison, c'est vrai. Et Ogma, je crois que c'était la fleur, mais oui, tu as raison, c'est le Chanel double kill. William. Professeur. Ogma. William, c'est vrai, c'était le deuxième. Oui, Mich. Et... autre fait perturbant, du coup, il y en a justement une de ces racines qui est, enfin une petite, qui est en train d'arriver vers nous. Ah, mais c'est de là qu'elles viennent. Oui, oui, c'est de là qu'elles viennent. Autre chose, il y a une sorte de tunnel qui je devrais plutôt attacher à être une trachée. Car l'arbre respire. Et pas de la façon normale où les arbres respirent. Et je pense que c'est... attendez l'impact de quelque chose contre la surface du dôme. On le voit normalement. Non. On le voit, ouais. À l'extérieur, ouais. Ok. Alors, tu m'as décrit un globe de fumée, en fait c'est au choix, mais ok. D'accord. Non, parce que normalement quand on est à l'intérieur, on voit l'extérieur, mais... C'est au choix. Tu choisis. Vous pouvez voir l'extérieur, vous pouvez rendre opaque. De mémoire. Ok, vous le voyez, très bien. Bon. Tu verras, Ash, du coup, ce résineux malade qui est en train de tambouriner contre la surface du globe, qui fait le tour, qui est né il y a 12 secondes, donc il faut être un peu indulgent avec lui, il comprend pas encore ce qu'est la magie. Bah, je vais tellement être indulgent que je vais sortir, je vais lui mettre un grand coup de hache. Très bien. Il faut bien voir comment elle fonctionne. Pas la peine de rouler, pas la peine. Remarque, c'est quoi, c'est la première c'est touche, vas-y. L'indulgence à la barbe. Bah oui, attends, je suis pas le paladin le plus du couvent. Âge du bûcheron. 22. Ah. 18. Ah. Ah, tu le one shot. Ah bah, il faut rajouter. Il faut pas plus de D6. D6, c'est ça. Mais plus de D6, c'est une plante. Faut pas oublier. Donc, over formula, dans ce cas-là. Ok. 2. Tu as sur l'item card de Rhino, sinon pour les prochaines, t'as damage et t'as over formula en dessous. Ouais, l'over formula, c'est ouais, 2d6 surtout. Plus 8, ce sera un 24. 26. Ouais, tu l'overkill. Bah ouais. Ah ouais, elle était puissante cette hache. Oui, c'est pour ça que ça fait beaucoup de mal de pas l'avoir utilisé. Je suis très heureux ce soir. Ouais, regarde, je l'ai utilisé. Mais c'est pour ça que je te dis que je suis très heureux tout de suite. Je viens de me faire one shot un nouveau-né de 12 secondes. Et donc. Et bah... il est pas très malin avec la magie, mais il est pas très malin avec les haches non plus. Il est mort. Voilà, est donc mort, je pense que si nous devons attaquer, ça serait maintenant pour empêcher que d'autres de ces créatures ne se répandent. Mmh. Et surtout qu'il faudra sans doute nous enfoncer au fond de la gorge de cette créature. Merci. Pour lui trouver un point faible. Alors, disons qu'il va y avoir un petit problème. Disons que si demain à la même heure nous sommes toujours dans les tréfonds de ce tunnel, après demain vous êtes au soir. Non. Je rappelle, 21h, vous êtes le même jour toujours. Ah, il y a c'est toujours le même jour. C'est ça. Ah oui. Donc c'est après demain à 7h la pétante, là c'est la merde. Bon, on a encore le temps. Vous avez, mais ça, vous avez deux jours, pile deux jours. Après demain. Vous avez exactement 48 heures en fait, si on va être extrêmement scientifique. Ok. Ah putain, oui, moi, j'ai fait un mauvais calcul puisque moi j'avais compté qu'il me restait une journée en fait. Non, mais c'est peut-être parce que j'ai eu le fuck up tout à l'heure quand je vous ai dit le lendemain par habitude après vous avoir dit 21h. Non, c'est que je m'étais mis des traits de jour et je l'ai barré au fur et à mesure qu'on jouait. Donc, j'ai dû faire une erreur. T'as dû le barrer parce que c'était le repos long, mais en fait on a changé. Ouais, c'est possible. Ouais, ça marche. Ok, donc hop, je rewind, je dirais. Ouais. Normalement, on est bon. Ce que je voulais dire, Barmir, c'est. Peut-être qu'il y a un souci, c'est que si ça, c'est sa gorge, où est le corps? Dans la montagne. Voilà, c'est... J'allais dire la même chose, nous sommes actuellement dessus. D'ailleurs, c'est du moins sur la couche de terre qu'il recouvre. Et là, je vais regarder Oscar, voir s'il est mort. Bah, j'espère qu'on n'est pas sur son trou de balle. Ah, Oscar n'a pas d'humour. Non, il a senti un truc qui sent mauvais. Qui a passé la soirée à bon, bref. Qu'est-ce qu'on attend du coup? Quel trou de balle recrache encore beaucoup de résineux. On y va discrètement pour essayer de trouver le point faible.
ou vous voulez y aller comme... Eh bien, pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait quelques créatures résineuses qui étaient dans des... Le but, cocon. C'est pas de foncer justement dans le tas pour tuer le machin qui a tué vos collègues là juste avant, le plus vite possible. Il est encore en train de dormir là, de ce que j'ai compris, non? Oui, ouais. Peut-être qu'il peut être achevé. Il faut l'achever. Okay, alors disons qu'il faut absolument qu'on soit sorti avant 24 heures. Oui. Sinon, je pense que nous sommes tous morts. Pourquoi donc ? Disons que j'ai eu à combattre un monstre tout seul qui était assez fort et qui m'a transmis quelque chose qui est pas très joli à voir à la pleine lune. Est-ce que c'est une allégorie ou est-ce que c'est littéral ? Non, le paladin qui nous accompagne a décidé d'affronter un loup-garou en solitaire et a malheureusement survécu à ses blessures. Alors, décider tout seul, on va dire que le groupe a voté pour que j'aille affronter seul. Je n'ai pas refusé. C'était votre idée. Non, en plus, non. Alors, HRP, je crois même pas que c'était mon idée à la base. C'est vrai ? Oui, c'était ton idée. C'est toi qui avais proposé à la base. Ah, c'était la meilleure des idées alors. Mais moi, je suis très content. Moi, je suis heureux d'avoir affronté un loup-garou seul. Disons que c'est bien au sens propre, Camo. Je vois. Donc, si nous sommes encore enfermés au-delà des 24 heures dans ce tunnel, non seulement le tunnel n'existera plus, je t'en fais la... Je te certifie. Je lui défoncerai sa race. Mais il y a de grandes chances que vous non plus, vous ne serez plus là non plus. Combattre une créature sans doute millénaire, très ancienne et très puissante au sein même de son organisme, avec une bombe à retardement. J'aime bien ses chances. Ouais, et une bombe à retardement qui vient de mettre une ceinture qui a l'air de me conférer une force incroyable. Non mais... Bah bien, calme-toi, enlève la ceinture. Non, je vais tous vous tuer. On va regarder un chalet. Pareil, évident, on va te mettre à poil avant de t'exécuter. Si on arrive là. Hein. Si tu t'imagines bien qu'on va pas te laisser équiper. Alright. À la rigueur, on te laissera une épée et on te laissera faire une dernière charge courageuse. Je crois qu'il va pas utiliser l'épée, s'il se ressemble à Luguru. J'aimerais savoir ce que vous faites là tout de suite. Oui, justement, c'est ce que j'ai posé. Alors, vous voulez y aller discrètement, essayer de trouver ce qui est caché, y mettre fin et ensuite s'occuper de gros trucs qui est en train de, d'après ce que tu nous as expliqué, en vie, je crois. Et taper le truc qui n'est pas encore en vie, risquer de perdre du bruit, perdre un peu de notre santé, aussi mentale que physique, avant de descendre on ne sait où. Comme je l'ai dit, et comme sans doute vous avez pu vous en rendre compte, ces créatures nous ciblent directement. Donc ils savent que nous sommes là. Je pense, ce n'est pas une mauvaise... Non, mais les petits machins, on s'en fout, mais au moins le gros, parce que s'il nous poursuit, effectivement, j'aime pas avoir un ennemi dans le cul quand j'en ai déjà un dans la face. Hein. Faudrait faire une citation pour ça. C'est... Décision, s'il vous plaît. Regarde Gabriel. Autant achever les bêtes. Allons... détruire cette créature et puis nous avancerons dans les profondeurs tranquilles. Parmir. Moi, pendant qu'ils discutent, je vais empoigner la buveuse, voir ce que ça donne pour l'instant en attendant. Vas-y. C'est là depuis tout à l'heure, ils discutent sur un plan. Okay. Oscar, il sait ce qu'il fait, il va vouloir y aller, donc pour l'instant. Tu prends la buveuse, tu la sens étonnamment bien équilibrée entre tes mains. C'est une belle arme. C'est toujours un glaive. Putain. Est-ce qu'il l'a toujours enroulé ou pas?
Non, là, il est en sorti. Barmir, tu allais répondre. Vas-y. Non, j'allais juste te dire que j'empoigne le bouclier avec la lanière, je me l'accroche dans le dos pour pas l'oublier. Et je vais vous suivre, mais il faut qu'on soit sorti avant 24 heures. Okay. All right. Toi, tu veux taper. Toi, t'as une idée. Et toi, tu veux taper. Ok. Passez devant, je vous en prie, messieurs. Je veux bien que si tu veux y aller genre un peu sur le côté, le temps que nous on attire l'attention, comme ça toi tu seras discret et nous et toi tu pètes, mais on va tout taper quoi. On a compris Brutus, tu aimes taper. Allez, on y va. Vous sortez tous de la fumée, du brouillard. Je vous lance quand même passe vos autres traces. Passage sans trace absorbera le son que vous produisez. Et vous dirigez vers l'arbre. Tous, on est d'accord. Ok. Non. Camo, ouais. Au moment où tu passes un pied en dehors de la nappe de brouillard, elle se dissipe. True that. Tiny hut. Je récupère les pierres runiques. Bien sûr. Et vous dirigez vers l'arbre. Du coup, je m'équipe d'un glaive si je mets la buveuse, c'est ça? Ouais. Plus 2 ou pas? Non. Ou elle a... Ouais, glaive de grain naturel. Plus 1, quand même. Plus 1? Ouais. Je vais imiter Barmir et mettre mon bouclier dans le dos, j'imagine. D'accord. Putain, elle fait chier. Au sommet de la colline. Aucune personnalité, c'est barbare. Vous voyez s'ériger l'abomination ligneuse qu'est l'arbre de Gultia. Ça y est, face à vous, enfin, depuis le temps que vous en parlez. Des membres humains, découpés, des bras, des mains, des jambes, sont accrochés à ces branchages avec des restes d'animaux, des têtes de cerf, des pieds de porc, des cadavres d'oiseaux pendus par les ailes et les pattes. En vous approchant, vous découvrez avec horreur le spectacle de son tronc. Ces galles dont j'ai parlé, enfantant en continu les armées de végétaux malades de la colline, toujours régénérés, toujours nés à nouveau. Mais pas seulement. Car alors que vous approchez vraiment presque au contact de l'arbre, à la surface visqueuse du tronc, apparaissent à intervalles irréguliers des silhouettes humanoïdes, des visages d'hommes, de femmes, d'enfants. Se contorsionnant de panique, d'effroi, de colère, fusionnaient à même l'écorce de l'arbre. Leur silhouette se forme et se déforme à l'infini, au fil des mouvements organiques de l'entité que vous avez face à vous, qui n'a absolument rien d'une plante, clairement. Dont la matière se paraît se former, se reformer sans cesse, renaître à chaque seconde, chaque milliseconde. Dans ce mouvement de création permanent, ce bouillonnement absurde et infini. Voyez cette lance noire plantée dans le tronc. Un endroit où les mouvements de l'arbre semblent légèrement freinés. Les pulsations plus irrégulières. Et à quelques mètres, à 3 mètres entre les racines noueuses, qui semblent ramper au sol en tous sens, couvrant l'humus comme... autant de formations cancéreuses. Voyez s'ouvrir à intervalles réguliers cette cavité dont les parois de terre et de bois se referment de manière brusque, presque coupante. J'aimerais savoir ce que vous faites. On voit pas le visage d'Edwin, on est d'accord? Non. Ok. Aucun visage que vous reconnaissiez. Ok. Pour l'instant. Vous êtes loin de les avoir tous vus. Oui. On est en... Barmir, comment c'est ? J'allais dire, on est en mode furtif, là. On a passe... Vous avez passé votre adresse, tout à fait. Ouais. Je sais pas ce que pensent les autres, mais je pense qu'on va peut-être continuer discrètement, c'est une bonne idée. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites, du coup ? Est-ce qu'on... On est d'accord que ce que tu as décrit comme étant un léchène, oui. Encore endormi, il était à l'intérieur du tunnel. Il est dans une de ces gales ambrées au stade, plus vraiment embryonnaire. Vous voyez qu'il est plus très très loin du stade adulte. Il est jeune encore. Peut-être un jour ou deux.
pense qu'on le get-get, non? On le get-get. Parce qu'un jour ou deux, mais rien n'empêche qu'il soit réveillé en avance. En urgence Ok. C'est ça. C'est une possibilité. Tant que vous voulez cut-cut ce truc-là. Ouais. Ce truc-là me pose personnellement problème. Ok, d'accord. Il t'offense. Là... je vais quand même rester un tout petit peu à l'arrière. D'accord. Dormir Non, et après Oscar. Bon, ok, Camo. Pardon, Camo. J'avais une petite question. La lance, tu dis qu'elle semble ralentir les mouvements de la... Les mouvements sont irréguliers au niveau du tronc qui se trouve autour de la blessure qui a été causée par cette lance. D'accord. Ça a l'air de l'avoir blessé, c'est ça? Oui. Si, moi j'ai une dernière action à faire. Avant qu'on lance les hostilités, etc. Je vais lancer Freedom of Movement sur Oscar. Ok. Je pense que ça serait peut-être intéressant de récupérer cette lance. Parce que si elle semble pouvoir blesser le Gultias, si on trouve son point faible, elle pourra peut-être pas lui porter un coup fatal, mais au moins l'incapacité, peut-être. Il la reconnaît pas, la lance, Camo? Si, je reconnais les symboles tribaux qu'il y a dessus. Est-ce que Oscar la reconnaît? Oscar, sent un appel. De la lance. Oscar comprend avec son cœur, pas avec son cerveau. Ouais, d'accord, ouais. C'est pas juste une lance. Puis le temps passe à proximité de cette chose et moins tu te dis que c'est une lance, ouais. Ouais, mais je suis perturbé parce que... Enfin, je sais à qui elle était, mais par contre, on est d'accord que c'est... Ouais, on en reparlera en post-session. T'inquiète. De toute façon, Oscar veut dire, de toute façon, une fois qu'on a fini avec le chêne, ça là, il pointe la buveuse, ça finit dans l'arbre aussi. Hein. Très bien. Eh bien, allons-y. Préparons-nous. Vous attaquez la gale dans laquelle pousse le chêne? Ouais, je pense. Je vous ferai pas faire de jet d'attaque. Je suis à 10 feet 2. Ça marche. Alors qu'une une volée de flèches, un coup de hache du bûcheron, les sorts de Gabriel, de Camo. Et tu frappes avec le glaive, Oscar? Oui, bien sûr. Et le glaive d'Oscar s'abat sur la gale. Vous voyez la chose se percer comme un bubon trop mûr, alors que la chose glisse au sol, comme une créature avortée, rejetée dans le monde vivant. Et vous entendez pousser ce chointement, alors qu'elle essaie de se redresser tant bien que mal, et vous mettez à frapper, jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Une flaque ambrée, à la surface de laquelle vous voyez des reliquats de sang flotter, et maintenant en train de se former autour du cadavre. Vous voyez que l'intérieur des gales est tapissé d'un liquide qui est similaire à du placenta. Veiné de sang. L'arbre pulse. Plus rapidement, plus frénétiquement. Qu'est-ce que vous faites? Sans plus attendre, Oscar essaye de planter la buveuse dans l'arbre. C'était là où il y avait une zone. Tu plantes la buveuse dans l'arbre, tu fends l'écorce. Et sous tes yeux, l'écorce se reforme instantanément. Bon, bah, c'est pas ici qu'il faut que je la plante. Non. Et. Il est où le cœur, putain? Avec Mage Hand, je vais décrocher la lance. Ta main traverse la lance, Camo. Ah. Elle ne s'enlève pas de l'arbre. Ah. Ok, c'est bon, je vois. Je pense que t'as répondu à ma question.
Intéressant. Comment ça? Juste quand même pour tester, je vais voir ce que ça donne si je passe la buveuse sur le manche de la lance, si elle est pas trop haut ou quoi. Tu fais de la drague? Non, c'est peut-être marrant. Il se passe quelque chose ou pas? Ok. Oh non. Oh non, non. Oscar, il y a un éclair qui passe devant tes yeux. Vous voyez le barbare qui tombe à genoux devant vous. La buveuse commence à se métamorphoser entre ses mains, clignotant, changeant d'aspect, prenant la forme tantôt d'un glaive, tantôt d'une hallebarde, tantôt d'une épée bâtarde, tantôt d'une lance. Oscar, tu places ta main libre, ta main gauche à ton cœur, alors que tu sens une pression comme une main qui se mettrait à serrer. Et autour de toi, tu vois le vide, l'abysse. Et la colline. Bien, médecin. Salut. Face à toi, fusionné, Ogultias, la silhouette bestiale de Cavan. Alors qu'autour de toi, tu vois petit à petit sortir du vide, se matérialiser ce marais de sang et de crâne, sirupeux, épais. Alors que Cavan tourne lentement cette gueule vorace garnie de dents dans ta direction, et que tu entends... Toi qui convoite la buveuse... Toi qui convoites ma place et la tête de notre tribu, tu veux l'arme. Dis-moi ce qu'elle est. L'arme. Elle est la force, la volonté, la tyrannie. Elle n'est ni force, ni volonté, ni tyrannie. Ai-je l'air un tyran? As-tu l'air fort? Tu le vois tirer sur l'arbre. Tu vois le déraciner de moitié. Son ombre recouvre la voûte céleste autour de toi, Oscar. Tu sens le sang qui commence à goûter sur toi, alors que de sa gueule des filets commence à se rompre et tomber, mêlé de salive sur ta personne. Qu'est-ce que l'arme ? Elle est le glaive de notre justice, le flambeau de notre peuple. Elle est notre bras armé. Si tu as besoin de ce genre de bras armés, tu n'es pas un guerrier, Oscar. Tu n'es pas un cavalier. La créature s'abat sur toi, Oscar. Je vais te demander si 31 touche. Bah oui. Et du coup, Cavan, c'est pas un cavalier non plus. C'était son arme avant. Oh, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Tu reçois 47 points de dommage tranchant. Il va mettre la deuxième. Ça, c'est un 34, donc ça devrait être tranquille. Tu m'ajoutes 38 totaux. 84.
Est-ce que tu es done? Non. Axon Surge. Pardon. Ok, 33 touchera. Ouh, pas terrible ça. Pour un 24 supplémentaire. C'est quoi, cette endurance? Très bien, monsieur. 26 touchera quand même. Non, ça, je tombe sur la... Tu tombes, ok. Vous voyez subitement Oscar projeté en l'air. Alors, tu es droitier, Oscar? Oui. Très bien. Partant avec le glaive de la buveuse entre les mains, il retombe 4 mètres plus loin sur le dos. À l'endroit où tu tenais l'arme, Oscar, le glaive a fusionné avec ta chair. Brûlé, calciné. Il va clairement te falloir une aide médicale si tu veux le lâcher. La lance a disparu. Le glaive... non, la lance. La lance a disparu. Le glaive t'a brûlé si fortement au niveau de la paume qu'il a fusionné avec toi. Ouais, je reconnais ça. Ouais, ça tombe bien que t'aies eu la discussion avec lui juste avant. Ça me fait très plaisir. Ouais. Et bah les Kaladari, c'est fini. Maintenant, ce sera les Kaladari et puis je vous... aide médicale, s'il vous plaît. Si tu as besoin d'un bras armé extérieur, tu n'es pas un guerrier. Et ainsi par la cavane. Quelle sera votre prochaine action, juste par curiosité? Il est encore là? Non? Il descend, non? Hein? Non, non, il est toujours conscient. Ah, il est toujours conscient. Il a toujours ses points de vie. Ah oh, putain, faut que je les remette du coup. Par contre, qu'on soit bien d'accord, tu m'en enlèveras 10 de brûlure. C'est du PV max du coup? Non. D'accord. C'est juste du PV. Pour l'instant, on va juste être sur du PV actuel. Si tu retentes, on verra ce qui se passera. Donc 10 points de vie, 10 points de dommage de feu, et pour l'instant, ce sera tout. Oscar, Que s'est-il passé? Je peux lâcher l'arme ou pas? Du coup, je suis vraiment fusionné avec pour l'instant. Tu ne peux pas la lâcher. Elle est dans ta main. Elle fait partie de toi maintenant, Oscar. Tu voulais avoir un bras armé. Tu as littéralement un bras armé. Oscar ouais, est un mimique. Je n'utilise pas des glaives, moi. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Il s'est passé que Kaven, c'est un pur con. Voilà. Surveillez vos langages. Je t'emmerde, Camo. T'es pas de lui. Et t'es pas un guerrier. Mais tu vois, Oscar, je t'avais... Du coup, je fais pas comme ça. Du coup, je pointe juste avec la glaive à chaque fois. Tu pointes avec le glaive, c'est exactement ça. Oscar, je vous avais dit que la buveuse était dangereuse. C'est pas la buveuse. Bah si, la HRP, c'est la buveuse qui s'est fusionnée, non? En toi? Oui. C'est pas... Là pour l'instant, son problème c'est Kaven, c'est pour ça qu'il dit ça. Je ne comprends toujours rien à votre histoire, mais de ce que je sais, quand une arme réagit comme ça, c'est que vous avez peut-être mal répondu, et même très très mal répondu. C'est la faute à Camo, c'est lui qui m'a dit que depuis qu'on est arrivé, c'est le flambeau. Camo, vous lui avez déjà dit de se jeter d'un pont? Non. Voilà. Mais il a l'air de vous mettre beau. Il a l'air de beaucoup vous mettre les choses sur le dos. Calmez-vous, Oscar. Que s'est-il passé? Reprenez vos esprits. C'est Kaven. Vous avez croisé Kaven, ou du moins son esprit. Oui. Que vous êtes dit? Il m'a dit que j'étais pas un guerrier, et je sais pas ce que c'est. Ah. De quoi, un guerrier? Oui. Un guerrier. Si je peux me permettre, un guerrier est une personne qui va se battre pour ses idées, se battre pour les autres.
Alors ça, c'est peut-être dans votre culture elfique de tocard, mais on n'est pas des tocards, on est des cavanes, des cavani. Et un cavani, c'est pas un guerrier comme ça. Je le sais, je l'ai déjà dit. C'est pas un guerrier comme tu sais non plus, visiblement. Les cavani sont tellement forts que vous fusionnez avec vos armes. L'homme fait corps avec son outil. Je dirais que l'arme n'est pas ce qui est important, Barmer. C'est ce que vous en faites. Exactement. Mais là, visiblement, le choix a été mal fait d'attaquer l'arbre avec. Et l'arbre s'est retourné contre vous, visiblement dans vos pensées. Donc nous sommes, si nous résumons, nous sommes face à une entité qui est vraiment très puissante. Sommes-nous en mesure de le vaincre avec nos forces actuelles, Gabriel? Alors moi, j'ai pas vu d'arbre faire ça. Moi, j'ai vu un... on m'a dit que c'était un... l'esprit nommé Cavan, ancêtre des Cavani. On l'a juste vu baldinguer, on est d'accord. Hein, oui. Oui, mais on m'a dit que c'était un type nommé Cavan. Oui, ce que je pense, c'est que la transe de Oscar a dû le projeter à là où se trouvait l'esprit de Cavan. Et il y a dû y avoir un combat d'esprit. Et l'esprit de Cavan a été plus puissant. Cavan, il est enfermé là-dedans. Je plante le glucose avec mon autre main, du coup. À la gauche. Et j'ai bien l'intention d'aller le buter, ce trou du cul. Il va voir c'est qui le meilleur. Il va voir c'est qui le chef. Voilà, ne donc en tous les cas, notre mission ne change pas. Nous avons toujours un arbre à couper. Oui, encore plus maintenant. Et un barbare à venger, je suppose. Mm. Oscar. Cavan est sans doute prisonnier de cet arbre. Et s'il vous a fait ça, c'est pour vous apprendre une leçon. Maintenant, il faut que vous vous posiez la question. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi les esprits vous ont choisi? Pourquoi vous voulez faire renaître la gloire de notre peuple? Franchement, t'as vu à quoi on ressemble à Baldur? Ridicule. Et des tocards, c'est tout. Des faibles, des lâches. Adaptés à une vie de servitude. À la ville. Ici, c'est chez nous. Notre contrée. Beaucoup de gens ont établi que cet endroit était chez eux. Qu'est-ce qui fait que vous voulez que notre peuple soit ici? Je sais pas, moi depuis que je suis tout petit, on me bassine que c'est moi qui dois le faire. Qu'est-ce que tu veux que j'y peux au bout d'un moment? Alors c'est tout. On vous a dit de faire quelque chose. Et c'est tout. Tout ce que vous avez... et trouver. Au final, je suis plus santé que toi, j'ai l'impression. Je vous avais prévenu. Ne soyez pas trop dur avec Oscar. On m'a également répété toute ma vie que je devais finir magicien. Au final, j'ai sauté par la fenêtre et je suis devenu druide. En même temps, toi, t'es en crise d'adolescence, Gabriel. Elle est juste très, très prolongée. Moi, personne ne m'a rien dit, mes parents sont morts. Vous avez un don de casser l'ambiance. On m'a appelé Batman quand j'étais petit. Ah merde. Ah merde. J'ai 1000 questions et aucune n'est bonne. Est-ce que vous essayez de rentrer, de faire autre chose? Voyez toujours ce sphincter, car je n'ai pas de meilleur moyen de l'appeler maintenant. Vous avez commencé à lancer sur ce sujet. Mais moi, tu sais que je commence vraiment à avoir un... C'est un oesophage. Un oesophage, mais c'est bien. Mais oui, c'est un cauchemar. En fait, non, parce que la dernière fois qu'il a décrit une entrée comme ça... Ouais. Mais non, mais c'est une valve d'un cœur. Ouais, oui, ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. C'est juste une valve. C'est un cauchemar freudien. Ouais. Alors, c'est très étrange parce que quand j'essaye d'être sérieux, on m'envoie immédiatement sur le sphincter et quand j'ai juste accepté le sphincter, c'est un oesophage quand même. On aime te faire chier. Ouais, je sais, je vois ça. Littéralement, le sphincter.
Après, t'as des animaux comme le cheval qui a. Non. T'as des animaux comme le cheval qui ont un sphincter œsophagien. Oh. On va en rester là, Ellie. Ouais, je pense qu'on va en rester là pour ce soir, ce sera pas mal. Je pense que même le boss il s'est retourné pour dire oh. Oh. C'est là que je vis. Vendredi prochain, point de strade. Nous allons nous arrêter sur ce petit cliffhanger face au tunnel du Gultias et à ce qu'il renferme. Dans le lointain, vous pouvez entendre une pulsation sourde, ctonienne, dans les tréfonds de la Terre. Est-ce que c'est la même pulsation ? Pardon. Elle est similaire, mais ce n'est pas la même. Celle-ci est plus basse, avec quelque chose d'humide dans les battements. Arrête. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir été en ma compagnie ce soir. Je remercie le chat de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi à 21h pour... Non, pas Chandagone. Non, il n'y a pas de JTR la semaine prochaine. Je suis triste, je suis là. On se rendez-vous dans 2 semaines, du coup, pour la reprise des campagnes. Passez de très belles vacances. La bise.